Bonjour à tous et bienvenue dans Game Cult l'hebdo, l'émission qui revient sur l'actualité qui a marqué la semaine. Je suis très heureux de vous retrouver, toujours accompagné par les experts de la rédaction. Et cette semaine, je commence par Diogo. Ça va Diogo? Ça va et toi? Hey, tu as mis les lunettes aujourd'hui. T'as vu un peu? Je les enlevais quand même, je prends un polias pour là. Bon. Ça va? Ouais, ça va, écoute, on avait dit qu'on mettait les chemises aujourd'hui. Donc, Je t'ai tué, mais pas autant que... Le monsieur ouais, voilà. Mais d'abord on va regarder enfin, s'il y a aussi avec nous Alexandre Cortès qui a choisi des petites fleurs. J'ai surtout choisi la seule chemise que j'avais à disposition dans ma garde-robe. Écoute, elle te va très bien, moi, je trouve que c'est très bien. Et puis nous avons effectivement Jules Seigneur qui a fait l'effort, qui a sorti la chemise à fleurs aussi. Ah, en direct de Los Santos, là je suis vraiment, c'est la chemise des grands soirs. Bon, ça va, vous êtes en pleine forme ou pas? Ouais, vu toutes les canettes que je viens de m'enfiler, ouais, t'inquiète. Ouais, ça va. Est-ce que, vous le savez, c'est la 15e et dernière émission de cette courte première saison pour l'hebdo. Est-ce qu'on peut déjà annoncer que l'hebdo sera de retour à la rentrée? Il n'y a pas de raison qu'elle soit pas de retour à la rentrée. On travaille sur de nouvelles formes, de nouvelles façons de l'organiser, mais on ne va pas en dire plus. On va rien annoncer tant qu'on n'a pas décidé avec... Alexandre. Voilà. Et puis Alex, on s'était dit qu'effectivement pour cette dernière, ça pouvait peut-être être sympa d'offrir cette émission qui est d'habitude réservée aux abonnés. Oui, cette émission sera en accès libre pour la dernière. Décision prise conjointement avec Diogo. Voilà. Et donc, si vous la découvrez, cette émission d'intégralité, on vous invite, en tout cas, si vous l'aimez, si vous voulez la soutenir, à vous abonner. À ce site GameCult, on a besoin de vous. Au programme de cette émission un peu spéciale, pas de preview, pas de sortie. Après notre bilan du premier semestre de l'année, nous nous intéresserons cette semaine aux nombreux jeux attendus pour le reste de l'année. Nous vous partagerons également quelques coups de cœur à emporter et à consommer au calme ou sous l'ombre d'un palmier, on vous le souhaite. Mais on commence d'abord par un petit tour des actus qui ont marqué la semaine. Et on démarre avec Electronic Arts qui a dévoilé lundi les premières infos et les premières images de eSport FC avec notamment une jaquette qui n'a visiblement pas fait l'unanimité, Diogo. Ouais, mais je n'ai pas grand-chose à dire sur le sujet vu qu'ils n'ont pas annoncé grand-chose, si ce n'est un petit trailer tout en CGI d'une minute et demie, une date de sortie calée pour le 29 septembre prochain sur console, sauf Switch et PC. Voilà. Et mais surtout cette magnifique couverture qu'on voit à l'image de la Ultimate Edition, c'est un truc de fou furieux. C'est un des pires trucs que j'ai imaginé. Parce que voilà, le fait est que ceux qui ont suivi l'affaire savent que EA a perdu les fins. Le contrat qu'il y ait avec le mariage. Le mariage est consommé entre, voilà, entre FIFA et EA. Ouais. Donc terminé. FIFA ne peut plus s'appeler FIFA. C'est ça, l'organisation à but non lucratif, paraît-il. La FIFA, très vertueuse comme on le sait tous, a décidé de faire cavalier seul, ou en tout cas avec d'autres personnes, plutôt des acteurs du Web 3.0 pour ses futurs jeux de sport, estampillés FIFA. Mais qu'à cela tienne, EA, ils ont quand même les licences et les maillots et les joueurs et les machins. Donc ils vont se faire un plaisir de montrer tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils peuvent afficher dans leur nouveau jeu eSport FC 2024 qui sortira, comme j'ai dit, en septembre. Ouais, il aurait pu sortir le 29, mais il sortira. Le 29. Il aurait pu sortir le 24, je veux dire, mais il sortira le 29. Excuse-moi. mais du coup, ils ont voulu mettre en avant tout ce joli casting de joueurs. Ouais, revenons un petit peu sur cette jaquette parce qu'il y a quand même du beau monde dessus. J'ai vu Zidane. J'ai vu comment ça raté, je vais pas te mentir. Comment? Pas très beau, non. Pas au sens littéral. Non, mais il y a évidemment qu'il fallait toujours des grandes légendes dans FIFA, que ce soit dans FUT, etc. Des joueurs de pas seulement des joueurs à queue, des joueurs d'avant, etc. C'est pas nouveau. Mais là, ils voulaient vraiment appuyer sur le fait que regardez, vous retrouvez tous vos amis. dans eSport FC, sauf qu'ils sont modélisés mais d'une façon, c'est assez fou. Alors là, on voit pas la même image celle de la jaquette. C'est exactement la jaquette, parce que sur la jaquette, ce qui est vraiment. Là, c'est mieux que dans la jaquette. Hein. Ce qui est fou, c'est que, ouais, c'est un peu mieux que la jaquette. C'est que sur la jaquette, il y a des grands noms, il y a Pelé, il y a Pirlo, mais Pirlo, il tire une tête. Il y a Zidane, il y a David Beckham, il y a Selma Bacha, Lyonnaise, enfin, il y a plein de joueurs. De foot de féminin. Il y a Ronaldinho avec. Ce qui est marrant, c'est que Ronaldinho, il a son maillot de l'époque du PSG, parce qu'ils n'ont pas les droits du Barça. Vu qu'en fait, c'est Konami qui a les droits du maillot et du contenu, etc., pour eFootball.
Barça, Inter Milan et je crois Arsenal, je ne sais plus. Mais ah, Juventus aussi à un moment. Peut-être Juventus. Ça peut changer. En gros, en fait, toute cette débauche de, justement, de stars dedans, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire. C'est le jeu de sport que vous avez l'habitude d'acheter depuis 10 ans. Quoi. Ça n'a pas bougé. Juste, on n'a plus le même nom. Ouais. Et de toute façon, ils n'ont rien perdu. Je veux dire, ils ont perdu le droit d'avoir la Coupe du Monde. Est-ce que c'est grave? Non. Ils ont perdu le droit d'avoir marqué FIFA 4 lettres sur la jaquette. Est-ce que c'est grave? Non. Il y en a qui, j'ai souvent eu des gens qui s'inquiétaient, on a parlé de gens qui voilà. Qui oui, en fait c'est quand même toujours difficile leur changement de nom, il faut absolument arriver à réussir à transformer cet essai, donc je suppose que justement le fait de mettre ces stars c'est pour dire aussi bon. Le jeu il va être quali comme il est tous les années, c'est juste que à mon avis les consommateurs qui ne savaient pas et qui ne sont pas avertis, il y en a encore, ils vont aller au magasin, ils vont dire vous avez FIFA. Le vendeur, il va leur dire ah bah non, mais on a ça, c'est la même chose. Ouais. Et ils vont l'acheter quand même parce qu'ils vont comprendre que ça marche comme ça. Et à mon avis, on aura. Là, c'est que le début du cycle de communication marketing. Ils vont matraquer plusieurs fois que c'est le jeu de football d'e-sport, virtuellement sans concurrence aucune sur le marché. En tout cas, sur le jeu payant, on n'en a pas. Et football qui est gratuit. Il n'y a pas à s'inquiéter pour. Ouais. Je pense que e-sport, ça va bien se passer. Les actionnaires d'e-sport, ils dorment sur leurs deux oreilles, ils font des rompiches incroyables. ils seront bien, à mon avis. Mais voilà, on en saura plus cette semaine en termes de nouveautés concrètes, de gameplay, etc. Avec un slogan, donc c'est Welcome to the Club. Hein. Voilà, et on en saura, est-ce que le retour peut-être du mode scénario et tout. On va voir ce que ça va donner. Ça marche. Et toujours côté Electronic Arts, l'éditeur américain a également confirmé le développement d'un jeu solo dédié au héros Marvel Black Panther, Jules. Eh oui, jeu Black Panther qui était connu sous le nom de projet Rainier, qui avait été déjà dévoilé il y a plus d'un an par l'insider Jeff Grubb, en fait c'était tout à fait exact. Ils ont fondé pour l'occasion un nouveau studio qui s'appelle Cliffhanger Games, qui est basé à Seattle. Et avec qui, du beau monde dedans, des anciens. Qui a réuni, alors il y a Kevin Stephens à la tête, alors ce nom vous est probablement pas familier, c'est un ex-dirigeant, co-dirigeant de Monolith Software, qui a bossé donc sur l'Ombre du Mordor. Il a pris manifestement quelques personnes de l'Ombre du Mordor, mais également des gens de God of War 2018 et de Halo Infinite, ce qui est le moins bien de la triplette, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est donc pour faire un open world de AAA, troisième personne Wakanda avec Black Panther, on va monter dans les arbres et rooster des mecs. On ne sait pas encore qui, puisque clairement le projet est à peine en début de développement. Hein. C'est une annonce qui est faite comme on fait traditionnellement pour récupérer de nouveaux employés, pour recruter. Et le seul truc qui est rigolo, c'est qu'en parallèle, on se rappelle que Amy Hennig a elle-même annoncé un jeu avec Captain America et Black Panther, mais pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais pas chez Electronic Arts. Du coup, duel de Black Panther bientôt sur nos consoles. Et donc, en plus, ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait déjà donc, il y a deux jeux chez Electronic Arts Marvel. Voilà. Iron Man. Et il y en aura un troisième. Il y a un troisième qui est complètement. C'est le film, ça, qu'on voit là. Ouais, c'est l'image du film. On a le droit de passer les images du film. C'est une illustration, Diogo. C'est, c'est à but, un but informatif. Vous discuterez avec le service juridique. Avec le service juridique de Disney. Très bien. Et voilà, et c'est tout ce qu'on peut en dire. Ouais, on ne sait pas encore quand est-ce que ça arrivera. C'est le tout début du développement, c'est ce qu'on a appris. Pas avant 2026, comme le Star Wars Eclipse de Quantic Dream. Je ne sais pas pourquoi j'en parle, en fait, parce qu'on s'en fout. Mais voilà, pour dire qu'en 2026, il y a déjà du AAA qui s'annonce, c'est parfait. L'autre truc qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un gros enjeu d'image autour du jeu pour EA de recruter plus de personnes racisées. Bien sûr. Parce que ce serait un peu ballot que ça soit une équipe full blancos au développement d'un jeu Black Panther. Ouais, ils le disent, on veut être vraiment un studio extrêmement inclusif qui est basé sur ses valeurs fondamentales. Bon, effectivement, ce serait quand même assez cool de, de jouer le jeu. Surtout, c'est devenu un peu une icône depuis le film de 2018. Bon, alors, tous les guillemets qui s'imposent quand même, puisqu'on pourrait dire beaucoup de choses, notamment sur le 2 et son antiracisme qui est aussi profond qu'une flaque d'eau au fond de la Creuse. Mais. Bon, le premier était quand même un peu mieux fait sur ce point. Et il a du sens, même historiquement. On retrouvait l'avis de 4 pecs blancs sur le sujet. Ça, c'est réel. Gros, ça me l'était d'énergie, là. mais historiquement, la petite anecdote que je peux donner, il me semble que Black Panther, l'éditorial de Marvel, voulait pas que ce soit un héros noir. Ils étaient en mode, non, ça va jamais vendre et tout. On connaît la chanson. Et les mecs, ils ont fait, OK, on va lui mettre une cagoule, on va lui mettre un spandex intégral, ils vont y voir que du feu. Et c'est au tome 50, ils ont fait, hop, regarde, on lui enlève la cagoule et c'est un noir depuis le début. Ils ont feinté tout le monde, personne ne pouvait rien dire. Si l'anecdote est vraie, me fait beaucoup rire. Voilà. Et après, il y a Luke Cage, et après, voilà. Très bien. On peut étendre. Eh bien, poursuivons avec Sega qui dit finalement non au NFT. Tu continues, Jules ? Eh ben oui, je continue, tant qu'à rigoler. Non, oui et non, hein, parce qu'ils sont mi-figue, mi-raisin sur le sujet. Il y a le Chief Operating Officer, un poste que je ne sais pas à quoi ça correspond, Shinji Utsumi, j'espère qu'il s'appelle bien Shinji, j'ai un peu du mal à lire mes notes, qui a fait une interview chez Bloomberg et qui a dit « Oh, les NFT, quand même, les jeux NFT, c'est souvent un peu chiant, hein, on ne s'amuse pas beaucoup quand on joue à ça. »
Oui, ce qui est la vie de tout le monde depuis que ça existe, donc merci à eux de s'être réveillés. Mais là où c'est quand même un peu hypocrite, c'est que quelques jours après, ils annoncent faire un partenariat avec une boîte au nom de GameDozy, qui est la branche Web 3.0 de Line. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que tout ce jargon est complètement incompréhensible ? Line, c'est un réseau social très populaire au Japon, qui fait plein de trucs différents, un peu comme Twitter aspire à l'être aujourd'hui, et qui a lancé une branche, en fait, qu'on appelle le Web 3.0, donc qui tourne autour de la crypto ou des NFT, qui a elle-même lancé une branche du coup gaming qui s'appelle GameDozy, et ils font un partenariat avec Sega sur, paraît-il, une licence majeure. Alors qu'en même temps, Sega dit non, non, les licences majeures type Yakuza et Sonic, on va pas les envoyer en NFT, on va pas diminuer leur valeur. Par contre, Virtua Fighter, ça, ça fait des mois, des années qu'on ne respecte plus la licence. Donc, les NFT Virtua Fighter, vous pouvez y aller, vous pouvez nous contacter, vous pouvez taper dedans. Ce qui fera plaisir aux fans de Virtua Fighter, je pense. Dans ton article, tu dis que ce revirement de situation, ça pourrait affecter la gamme des super games de Sega. Bah, c'est la rumeur. La gamme des super games, c'est quelque chose d'extrêmement vaporeux. C'est quelque chose qu'ils ont annoncé maintenant il y a un ou deux ans, sûrement pour faire plaisir aux actionnaires, et qui serait en fait 5-6 jeux massivement multijoueurs, enfin massivement peut-être pas, c'est pas des MMO non plus, mais voilà, multijoueurs, triple A, typiquement calibré pour l'Occident, en tout cas pour l'international, et selon les rumeurs, on retrouverait dedans du Jet Set Radio et du Crazy Taxi. Je trouve ça extrêmement drôle si c'est vrai, parce que mettre genre 200 millions de développement dans un Jet Set Radio, bon, c'est, moi ça me fait plaisir, hein, parce que c'est intelligent, je sais pas, en termes d'analyse de marché, ça se discute. Mais du coup, la rumeur disait qu'il y aura certainement de la crypto et des NFT dedans. Et là, ça laisse planer le doute. Parce que soit ils sont complètement hypocrites et M. Shinji Utsumi nous ment tout simplement. Ou alors il fait cavalier seul et bientôt il sera à la rue, il pourra aller postuler ailleurs. Pas chez Square Enix vu qu'il kiffe encore la NFT. Mais voilà, ils soufflent un peu le chaud et le froid. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils trempent leurs doigts pour voir les réactions. Mais déjà en 2022, il y avait le PDG de Sega Sammy, donc là, la grosse boîte. Qui disait, ouais, quand même, on a pris une petite soufflante hein, en annonçant des NFT, on va peut-être reculer un peu. Puis vous savez, c'est une technologie jeune, et puis on sait pas trop et tout. Donc, bref. Oui. Ils, contrairement à Square Enix, ils disent, ouais, bon, ils commencent à se rétracter doucement pour pas passer pour d'énormes glandus le jour où ils annulent tout. Ça marche, et on verra si ça aime. Effectivement, le NFT, ça a bien pris du plomb dans l'aile. On continue avec la suite et presque fin du feuilleton Microsoft Activision. Ah, presque, bah, fin, presque fin. On espère. Hein. Au début, on était plutôt contents. On se disait yes, enfin terminé. Et puis la FTC a dit non, on est reparti pour un tour, peut-être. Mais tout commence en. C'était quand ? C'était hier ou c'était avant-hier ? J'ai déjà oublié. Avant-hier. De quoi ? La décision de la Cour de. Avant-hier, on apprend que Microsoft gagne face à la FTC et que la juge en charge du dossier, Jacqueline Scott Corley, donne son discours final et elle dit notamment, j'ouvre les guillemets, « La Cour estime que la FTC n'a pas su prouver le bien fondé de son allégation d'un affaiblissement de la concurrence dans cette industrie. » Au contraire, les éléments d'information pointent vers un accès accru de Call of Duty et aux autres contenus d'Activision pour les consommateurs. Donc, a priori, on se dit, c'est bon. Là, Microsoft, ils sont tranquilles. Il y a même Kotick qui envoie un petit message à tous les employés. Il y a Phil aussi. Sortez de champagne. Ouais, il y a Lulu Cheng qui fait un tweet qui n'est pas trop problématique pour une fois. Genre, tout le monde, tout est au beau fixe. Surtout, t'es comme ça. Genre, pour une fois, elle a pu faire un tweet normal où elle n'était pas agressive. Elle s'est dit, yes, trop bien. Tout est au beau fixe. Et puis, hier, 24 heures plus tard, la FTC annonce qu'elle va faire appel de la décision. Alors, qu'est-ce que ça implique ? Alors déjà, le timing est un peu compliqué à l'heure actuelle, puisque la juge, elle a autorisé de manière effective, en donnant raison à Microsoft, que le rachat se fasse à partir du 15 juillet. Mais dans le deal que Activision et Microsoft avaient signé au tout début, au moment où ils avaient annoncé le rachat, la deadline pour le rachat, c'était le 18 juillet. Donc là, Microsoft Activision, il faut qu'ils accélèrent. Le truc, c'est que la FTC, là, en faisant appel, si son appel passe, parce que pour le moment, elle a fait appel, mais ça n'a pas encore été validé, ils vont tout faire pour bloquer les choses. Et alors, pour le coup, je ne sais pas du tout comment ça va se passer si jamais ils parviennent à bloquer la chose. Sachant que pour améliorer leurs chances, ils changent de tribunal, parce que le procès s'est passé en Californie du Nord. Là, ils vont dans le 9e district, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ils ont vraiment le. Enfin, ils s'en cachent plus. Leur but, là, c'est vraiment de bloquer la deadline par tous les moyens possibles. Et comme je l'ai dit, la grande question, c'est est-ce que la nouvelle cour va accepter l'appel de la FTC concernant le procès ? C'est un peu toute la question. À l'heure où on tourne cette émission, on n'a pas encore eu la réponse. Elle sera probablement tombée d'ici samedi, je pense, malheureusement. Ce sera le 15, du coup, samedi.
Quoi qu'il en soit, c'est un... Je ne vais pas commenter sur en mode guerre des consoles, mais l'acharnement de la FTC est quand même, je trouve, bizarre. Bah surtout que c'est de très mauvais axes qu'ils ont choisi. Surtout après une défaite, en fait, pour dossier, et on leur a pointé du doigt au fait que leur dossier et leur argumentaire n'étaient pas convaincants et insuffisants, ils retournent au combat. Et c'est d'autant plus bizarre que dans le dernier procès, un peu du genre qu'ils avaient attenté à Meta sur le rachat de Weezin, qui est une société de développement de VR, quand ils avaient perdu leur procès, ils avaient jeté l'éponge. Ouais. Donc même là, en fait, c'est très bizarre, en fait, selon leur modus operandi habituel, d'insister autant. Quoi qu'il en soit, forcément, Microsoft et Activision, eux, de leur côté, ils sont obligés de continuer à avancer en croisant les doigts, en fait, pour que ce blocage ne se fasse pas. Typiquement, je l'ai dit, Kotick a déjà envoyé un message à tous les employés pour les remercier et pour annoncer la fusion à venir. Pareil, sur les marchés, Activision a décrété qu'à partir de l'ouverture de Nasdaq ce lundi, il serait plus possible d'acheter des actions pour Activision pour éviter la spéculation et ce genre de choses. C'est bloqué le temps que la fusion se fasse. Oh, puis rester aussi à s'entendre avec les autorités britanniques, mais c'était déjà bien avancé là aussi. Ça c'est un autre feuilleton. Ça à la en renégociation. Après. Voilà, pour le moment c'est en renégociation, mais disons que Microsoft a suspendu l'appel qu'ils avaient fait par rapport à la décision de la CMA, qui est l'autorité de la concurrence. En fait, c'est le dernier gros dossier qui restait à Microsoft, mais c'est prévu pour mi-août, donc on allait pouvoir un peu souffler. Et ça bloque rien. Théoriquement, ils peuvent continuer le rachat sans avoir la décision Par contre, du coup, le potentiel blocage de la FTC, ça peut tout faire gêner. Du coup, forcément, il y a des gens qui ne sont pas contents du tout, qui sont allés vandaliser la page Wikipédia de la FTC hier en mettant que Jim Ryan était le dirigeant de la commission et ils ont mis le logo de PlayStation en guise de drapeau officiel. Bon, comme d'habitude, les modos de Wikipédia sont très très vifs et ont très vite réparé le truc, mais ça a déjà un peu fait le tour. Mais est-ce que Cheng, elle a tweeté déjà? J'ai pas encore regardé. Je pense qu'elle est en train de préparer son meilleur missile. Bon, en tout cas, tu voulais dire ? Ouais, je voulais juste dire, pour moi, il y a un élément qui est hyper symptomatique de plaidoyer absolument nullissime de la FTC. C'est qu'à la fin, quand même, la juge, elle avait quand même lâché tout ça pour un jeu de tir. Sous-entendu, ils avaient tellement axé sur Call of Duty qu'elle ne voyait plus que ça et elle se disait, effectivement, c'est complètement couillon de vouloir bloquer leur achat pour ça. Ce qui est un manque de vision évident, parce qu'on sait très bien qu'ils ne veulent pas que pour Call of Duty. Xbox, ils sont aussi intéressés par, évidemment, les franchises Blizzard, d'accord, et Parking pour entrer sur le mobile. Donc, gros manque de vision globale, en fait, de la part à la fois de la FTC, à la fois des avocats de Sony qui ont fait des dépositions complètement nulles. Enfin, Jim Ryan, il est monté au créneau, on en a déjà parlé pour dire des trucs qui n'avaient ni queue ni tête. Et c'est aussi, je pense, l'espoir de changer de juge, c'est l'espoir de tomber sur quelqu'un qui soit un peu plus au fait du marché du jeu vidéo et qui fasse pencher la balance dans leur faveur. Après voilà, ouais, juste aussi quelques commentaires qui me font marrer en disant que justice a été rendue. Bon, je veux dire, peut-être reposons-nous un peu, gardons la tête un peu froide, ça reste des batailles de conglomérats multinationaux. Justice, justice, on verra sur le long terme. Hein. C'est ça, j'en ai appris tellement sur le jeu vidéo, elle n'a rien demandé. Ça va faire un mois, elle est là sur un dossier. Elle va se poser des questions. Elle va sécher son fils au prochain repas de famille quand on parlera de jeu vidéo. Comme ça, il y a des gens qui préfèrent cette boîte-là en plastique à l'autre boîte en plastique. Et même, d'accord. Bon. En tout cas, on couvrira bien évidemment sur le site la suite de cette affaire. On termine ce tour de l'actu avec un dossier très intéressant sur les femmes dans l'e-sport, écrit par notre journaliste Tony Rubio. Ouais, notre commis de l'e-sport en chef qui revient sur l'essor de ces scènes féminines depuis quelques années. Dossier très intéressant, même sans s'intéresser à l'e-sport, parce que bien évidemment, il y a des enjeux économiques et d'image hyper importants au-delà de la mise en avant des scènes féminines. Et bien évidemment, alors il a interviewé des spécialistes de l'e-sport, il a interviewé des joueuses. Donc c'est un dossier très intéressant qui est nuancé vraiment sur le sujet. Ouais, parce qu'on le rappelle, il y a 47% des femmes qui, en France en tout cas, qui déclarent jouer aux jeux vidéo de manière régulière, mais il n'y en a que 6% qui se déplacent sur des compétitions. L'e-sport reste un milieu très masculin, il y a des exceptions. Kayane en France en est une. Mais c'est celle qui confirme la règle en réalité. Et d'ailleurs, il y a des contre-argumentaires pour dire que oui, techniquement, les ligues officielles sont mixtes d'office, mais on sait très bien que ce n'est pas si simple que ça, malheureusement. Il y a déjà eu des tentatives par le passé de faire des équipes féminines dans des ligues masculines. Bon, ça n'a pas tellement marché. Je ne parle pas de LoL spécifiquement, je parle de manière généraliste. Non, mais même sur Overwatch, en fait, le problème, ce n'est même pas tellement la mixité, c'est encore et toujours, c'est le sexisme. C'est une pression beaucoup trop dure. C'est un truc qui est abordé dans le dossier, d'ailleurs,
que l'audience e-sport est beaucoup plus sévère avec, avec une joueuse qu'avec un joueur s'il fait une erreur qui va coûter une game. Ouais. Il suffit d'aller sur YouTube, hein, vous tapez compilation insultes sexistes, t'as des meufs qui jouent en master sur Valorant ou Overwatch qui sont donc tout à fait compétentes, plus que 99,90% de la population mondiale, qui se font incendier dès qu'elles ouvrent le chat vocal parce que c'est des femmes, ça faut, voilà. Et donc forcément, ça ne favorise pas leur entrée dans l'e-sport, elles n'ont pas envie. Il y en a beaucoup qui n'ont pas envie, tout simplement. Ouais. Et puis donc l'objectif est d'avoir la mixité dans toutes les compétitions, mais sur certains jeux, il y a aujourd'hui quand même des problèmes de niveau, ce qui fait que ce n'est pas forcément évident encore. Des problèmes de niveau. C'est ce qui est dit dans l'article, en tout cas, ce que j'ai lu. Ouais, mais encore une fois, moi, tu vois, je conçois totalement que quand tu es habitué à te prendre des charrettes d'insultes, simplement parce que tu es né avec des ovaires, c'est un peu... Tu n'as pas très envie de tryhard le jeu, quoi. Bien sûr. C'est aussi un climat qui n'est pas très accueillant et tu te fais moins de potes, tout simplement. Bon, bref, c'est pas terrible. Dossier réservé aux abonnés. Hein. Pas ouais. Comme Vision. Il faut lâcher son billet pour pouvoir accéder à ce dossier. C'est ça. Et à la myriade d'autres dossiers. Et vous aurez aussi le premier dossier de Tony qui est sur la préparation mentale dans l'e-sport, qui est très très bon. Et un tas de choses sur Gamecult. Voilà. C'est pour ça qu'on vous invite à vous abonner à Gamecult. Abonnez-vous. Allez, on poursuit cette hebdo avec la séquence culte, les amis. Séquence culte. Je vous le disais en intro, pas de sortie majeure cette semaine. On a plutôt souhaité, pour cette dernière émission, profiter de l'occasion pour nous projeter sur les jeux qui sortiront durant les 6 prochains mois de l'année. Alors, je précise qu'on ne peut bien évidemment pas parler de tous les jeux. Il y en a certains, comme Payday 3, dont on a déjà parlé. Mortal Kombat 1, j'étais catastrophé, effondré. J'ai pleuré pendant 3 heures dans mon lit. Voilà, Mortal Kombat. C'est la dure réalité du métier. On avait envie de parler de Sonic. On a sacrifié les jeux dont on avait déjà parlé dans les précédentes émissions. Voilà, et ou ceux où on avait peu d'infos. On a donc sélectionné près d'une vingtaine de jeux. Et avant de se lancer sur les AAA, je vous ai demandé de choisir les jeux qui vous inspirent le plus dans la catégorie indé moyen budget. Toi, Alex, tu as souhaité nous parler de Baldur's Gate 3. On peut parler de moyen budget quand on vise les 250 heures de jeu. C'est ce que j'allais dire. C'est moyennement moyen budget, mais disons que c'est niche, en fait, de par son genre. Et ça fait que ça reste quand même... Tu peux pas mettre Baldur's Gate 3 au même niveau que Spider-Man 2, bien sûr. Par exemple. Ouais, j'ai vu que là, il y aura plus de 170 heures de vidéos dans le jeu. Ils estiment à près de 300 heures, je crois, le total de... C'est gargantuesque. C'est potentiellement le jeu de rôle ultime à l'heure actuelle. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne par le contenu vertigineux. Ça s'annonce comme un jeu absolument titanesque, aux possibilités quasi infinies. Genre, ils ont annoncé, c'était la semaine dernière, c'était l'info presque drôle, mais tu peux avoir des relations sexuelles avec un druide transformé en ours. C'est genre, en fait, quand tu arrives à ce niveau de possibilités, tu te dis que c'est gargantuesque. De toute façon, l'Ariane Studio nous a habitués à du gargantuesque déjà avec Divinity Original Sin 1 et 2. Surtout le 2, hein. Le 2 est vraiment colossal. Donc, sachant que c'était un peu leur truc et que Baldur's Gate, on le rappelle, c'est une marque issue de l'univers Donjons et Dragons. Donc, il y a le budget derrière pour faire un jeu absolument énorme. Honnêtement, ça fait presque peur. Moi, en tout cas, ça me fait presque peur de ce que ça peut... de ce que ça représente. Mais d'après toi, ça sera plutôt... Enfin, est-ce que le grand public va pouvoir s'y mêler ou justement, est-ce que ça va être trop complexe pour... C'est un peu la grande question autour de Baldur's Gate. Pour moi, en tout cas, c'est que c'est un jeu très complexe. Ça reste, c'est presque du jeu de rôle papier, en fait, en jeu vidéo. Est-ce que c'est quelque chose que le grand public, auquel le grand public peut accrocher ? Ça reste quand même des jeux très complexes, avec des données, des points de compétences dans tous les sens. Beaucoup plus que n'importe quel RPG à l'heure actuelle, je pense. Je ne sais pas si le grand public peut accrocher. De toute façon, il y aura une communauté ultra fidèle, hardcore, qui va y passer 1000 heures, facile, les doigts dans le nez. La vraie question, c'est est-ce que le grand public va être embarqué là-dedans sur du long terme ? En fait, c'est surtout ça. Ça sort le 3 août, tu auras le temps de nous faire un test pendant l'été ou c'est... C'est pas moi qui fera le test, je pense. Mais de toute façon, ça sera testé, c'est sûr. C'est l'un des plus gros jeux du mois d'août. Diogo parlera du deuxième gros jeu d'août dans pas longtemps. Ah oui, c'est vrai. Ah, ça, c'est un gros jeu avec des gros... Là, moi, j'avais mis dans le script Dragon Quest, que tu attends aussi avec impatience, le Dragon Quest qu'on avait découvert lors du Nintendo Direct. J'ai pas dit que t'en parlais tout de suite, j'ai dit plus tard. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le Prince des Ombres. Exactement. Et que dire ? Pas grand-chose. Juste qu'on n'en avait pas parlé quand il a été annoncé, parce que ça tombait mal par rapport au calendrier de l'émission. Il a été annoncé il y a quelques jours seulement.
Et c'est en fait c'est la suite de Dragon Quest Monsters 2. Qu'est-ce que c'est Dragon Quest Monsters ? Dragon Quest Monsters, c'est un spin-off de la série Dragon Quest qui s'inspire, vous l'aurez sûrement deviné, de Pokémon parce que il y a de la capture de monstres. Pokémon SMT si on remonte avant Pokémon, bref. C'est un retour aux sources hein, pour la licence qu'il y avait. En fait, il y a eu de nombreux Dragon Quest Monsters. Ça a commencé sur Game Boy. Après, ça a toujours été sur les consoles portables. Je crois pas qu'il y ait un opio au dehors des consoles portables, mais voilà, ça a commencé sur Game Boy. Après, ça a été sur Game Boy Advance avec Caravan's Heart. Après, il y a eu sur DS Joker et le remake de Tavern of War. Bref. Il y a un tas de spin-off et de remake, etc. Mais là, c'est le Dragon Quest, la suite officielle, parce qu'au Japon, il s'appelle Dragon Quest Monsters 3. Donc c'est vraiment la suite de Dragon Quest Monsters 2 qui était sur Game Boy. Après, il n'y a pas une histoire qui suit. Dragon Quest Monsters, c'est des spin-off et justement, ils en profitent pour mettre en scène des personnages bien connus des jeux Dragon Quest canonique, mais dans des formes différentes, souvent plus jeunes. C'était le cas avec Terry, et là c'est le cas avec son Psaro, qui est un personnage dans Dragon Quest 4. On voit d'ailleurs le héros de Dragon Quest 4, je crois, à la fin de la bande-annonce. Et bah, du coup, on va le voir. Bah, il est juste là, putain, c'est un truc de ouf, je l'ai invoqué. ça, c'est la télé. Et ça veut dire qu'il y aura sûrement des autres caméos, peut-être Torneko, qui sait. Mais ça sort le 1er décembre 2023, simultanément au Japon et chez nous, ce qui est la première fois pour un Dragon Quest Monster, si je ne m'abuse. Et on promet beaucoup de choses, on promet beaucoup de combinaisons de monstres. Parce que les combinaisons de monstres, c'est un truc qui est très ancré dans Dragon Quest Monsters. Maintenant, le truc, c'est que est-ce que ce serait une meilleure réussite commerciale que Dragon Quest Treasures, qui est Dragon Quest Treasures, qui était un peu une incursion action RPG pour Dragon Quest, sortie sur Switch l'année dernière. Ouais, j'en ai parlé. J'en ai parlé dans la première partie, et qui n'a pas eu un grand succès commercial, même s'ils avaient quand même pas mal misé dessus, surtout au niveau de la com, qui avait essayé de faire un truc un peu différent. En même temps, mettons les monstres en avant avec des doublages, etc. Okay. Mais ça n'a pas trop marché au Japon, ni chez nous, ni au Japon. Là, ils sont revenus à leur source pour l'anniversaire de Dragon Quest Monsters. Et j'espère qu'ils s'en sortiront mieux. Mais en tout cas, un Dragon Quest Monsters comme ça, Day One chez nous, c'est quand même assez surprenant. En attendant, on attend toujours des nouvelles Dragon Quest 10 offline. Mais bon. Ok. Bon, Jules, toi, tu as choisi le très joli Sea of Stars du studio québécois Sabotage, qui t'a vraiment tapé dans l'œil. Exactement, alors qui m'a tapé dans l'œil, il faut savoir que je l'attends pas mal. Pourquoi ? Parce que j'ai fait The Messenger, le premier jeu de Sabotage, qui est un excellent jeu de plateforme inspiré de l'époque 8 bits, et un peu 16 bits aussi, pour des raisons que je ne spoilerai pas, et qui était un jeu d'abord qui était vraiment millimétré, que j'ai beaucoup apprécié. C'est une espèce de petit Metroidvania qui mettait beaucoup l'accent sur à la fin le speedrunning, vraiment ton talent en tant que joueur, tu pouvais vraiment faire des dingueries, tu avais un grappin où tu pouvais faire vraiment tout ce que tu voulais avec. C'était la belle vie. Et ils avaient construit autour de The Messenger un univers qui était finalement extrêmement complet, bien qu'on ne l'aurait pas dit au premier abord, dont un ARG, donc un jeu en dehors du jeu, avec des énigmes à résoudre sur des forums, sur leur Discord. Et tout ça pour mener à de grands teasers sur Sea of Stars, qui sera au final une préquelle de The Messenger et qui va explorer justement cet univers étendu. Donc on va jouer deux enfants du solstice, un qui représente le soleil, un qui représente la lune. Avec quelques compagnons, on aura en tout une équipe de 6 joueurs pour aller faire donc de l'RPG, encore une fois inspiré de l'époque 16 bits. Ici, dans leurs inspirations, Illusion of Time, Illusion of Gaia en VO, Breath of Fire, je ne parle pas anglais, et Chrono Trigger, dont d'ailleurs le compositeur va faire 10 titres pour le Sea of Stars, voilà, petit guest star. Et il y aura un système élémentaire, c'est mon téléphone qui tombe, il y aura un système élémentaire assez complet, nous promettons, qui sera dans le système de combat. Ça, vous pourrez en juger vous-même dans la démo que je n'ai pas encore eu le temps de faire. Il y a eu des retours extrêmement positifs. En tout cas, c'est très joli. C'est extrêmement joli. Après, évidemment, on peut juste se demander est-ce que ça va être aussi bon sur la durée, parce que c'est un style de jeu qui est complètement différent de ce qu'ils ont fait avant. Et surtout, est-ce qu'ils vont retomber sur leurs pattes et arriver à rattacher le narratif à celui du jeu de plateforme d'une façon ou d'une autre, même à travers l'ARG, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est un univers qui est vraiment fascinant. C'est juste que c'est un peu dur de rentrer vraiment dans l'univers étendu parce qu'il faut scoltiner pas mal de wiki maintenant. Il faut regarder pas mal les archives de l'ARG, de ce qui s'est déjà déroulé. Ouais, Alex, tu... Non, mais okay. Fini. Je croyais que tu m'apostrophais. Non, non. Mais je peux finir là. En vrai, j'allais pas très longtemps. Mais donc, je pense que de toute façon, ils font quelque chose d'accessible sans avoir fait The Messenger, c'est évident. Le jeu est hyper attendu. À chaque fois qu'il a été présenté à un Nintendo Direct, il avait des bons retours. Bien sûr. Donc, pour moi, ils ne peuvent pas au fait se permettre de faire un truc trop ancré dans The Messenger non plus. Mmh. Ça sortira le 29 septembre sur console et PC. C'est août.
29 août, pardon, j'ai dit des bêtises. C'est pas grave. Allez, on poursuit avec Rennes-Nantes 2, Alex. Enfin, succès à grande échelle pour Rennes-Nantes, c'est ce qu'on espère, c'est ce que tu espères. Le jeu du cœur, ouais. Mais surtout que je l'avais testé il y a quelques mois, preview disponible sur le site, mais mon emploi du temps faisait que je n'avais pas pu en parler dans l'émission. Donc là, c'était l'occasion pour moi. Au final, j'ai choisi deux jeux qui sortent très rapidement, parce qu'il sort le 25 juillet, donc ça arrive très vite. Mais ouais, gros fan du premier Remnant, qui est un TPS procédural qu'on a beaucoup comparé à Dark Souls, parce que c'est un jeu très difficile, où l'esquive est primordiale. Et le 2, c'est la même chose, en plus beau, plus ambitieux. Il y a l'Unreal Engine qui permet de faire quelque chose de beaucoup plus sympathique. Unreal Engine ouais. Unreal Engine qui oui, permet d'ailleurs, de faire ce jeu ne sort que sur les consoles dernière génération et PC, quoi, pas sur et les consoles. Truc qui était très cool dans le premier et qui, du coup, comme j'ai fait la preview, je m'en suis un peu rendu compte. C'est des images, là, que t'as chopé ? Non, c'est pas ma capture. Ah, les journalistes de jeux vidéo, vous voulez voir, c'est du Friendly Fire, là. Non, ce qui était cool dans le premier, c'est que chaque niveau, au fait, était procédural. C'est-à-dire que à chaque fois, en fait, que tu retournais, dans le monde, que tu sortais de ton hub, la construction et le level design étaient toujours différents. Et ça sera également le cas dans Remnant 2. Mais ah, c'est pas juste la position des persos, c'est tout le décor. Ouais, tout le décor. Et typiquement, moi, pendant ma preview, on était une dizaine. Et à un moment, en fait, j'ai juste posé ma manette et j'ai fait le tour des différents postes. Et chaque personne, chaque groupe, parce que ça peut jouer à 3 joueurs en multi, c'est le vrai intérêt du jeu. Ce qui est cool, c'est de le faire à plusieurs. Et je regardais un peu les postes des différents gens et toutes les personnes, en fait, faisaient quelque chose de totalement différent. C'était pas les mêmes boss, pas les mêmes puzzles. Et quand on en a discuté après, on a tous eu une expérience hyper différente du jeu. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup dans Remnant 1 et qui a l'air encore plus balèze dans Remnant 2. Donc moi, vraiment, le jeu du cœur, j'aime beaucoup Gunfire, donc j'ai très hâte. Quelqu'un le teste aussi ? Oui, ça c'est moi qui vais le faire. Ça arrive très vite alors. Ok, on termine cette sélection indé moyen budget avec deux titres qui sortiront cette année mais dont on n'a pas encore de date précise. C'est le cas pour ton petit coup de cœur, le puzzle game The Talos Principle. Talos Principle 2, alors j'ai pas fait le 1, voilà, disclaimer. Donc, sérieux ? Bah non. Pourquoi tu attends avec impatience ? Tu me l'as shippé alors que t'as pas fait le premier. Bah tu voulais parler de... J'aurais parlé de quoi à la place ? Bah rien. Ça t'aurait arrangé ça. Alors pourquoi tu l'attends ce Talos en phase, en phase avec tes goûts et ta culture du coup. Quoi? Non, rien. D'accord. Moi qui ai adoré The Witness, je sais pas si on peut dire que c'est comparable, mais c'est une autre référence du jeu de puzzle. Et quand j'ai vu Talos Principle 2, je me suis dit ouf, ça de loin, à mon avis ça va me parler. Tout ce que j'ai vu, ça me semble absolument excellent. Déjà c'est extrêmement beau évidemment. Et donc c'est la suite du jeu de puzzle Talos Principle 1, jusque-là tout est cohérent. On joue des robots après l'apocalypse, après l'extinction de l'espèce humaine, et donc on va résoudre différents mécanismes dans une douzaine d'environnements avec des questions philosophiques du style à quoi bon vivre, et aussi apparemment qu'est-ce que la beauté, qu'est-ce que l'esthétique. Bref, plein de choses amorcées dans la bande-annonce qu'il faudra attendre de voir le jeu final pour vraiment apprécier. Et la seule question, c'est comment est-ce qu'ils vont réitérer la surprise du premier épisode, parce qu'on se souvient que ça avait explosé sur la scène, et surtout que personne ne l'attendait. Pourquoi ? Parce que c'est Crow Team, développeur polonais, qui était connu pour Serious Sam. Donc c'est un peu comme passer de Doom à Animal Crossing. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait des fanarts pour attacher les deux, mais quand même, le grand écart est un petit peu musclé. Bon, pourquoi pas conclusion, pourquoi pas ? Il bégaye, là, si t'avais joué au premier. Ah, ça, c'est la caféine, ça, c'est les canettes qui commencent à redescendre, c'est la bégayance. Ouais, lui aussi débarque sur console nouvelle génération. Il débarque et PC. Sur console nouvelle génération, on pourra manipuler la gravité, on pourra transférer son esprit dans des machines pour résoudre des puzzles. Ouais, et les briques de Tetris. Ça va être très dense, ça va être très bon. Clairement, ça sera, je pense, testé. Je pense qu'Alex va me le reprendre vu comment il m'en veut de l'avoir chippé pour l'émission. Non, mais c'est bien le premier. Je vais apporter des précisions sur ton propos, mais termine. D'accord, vas-y. Évidemment que le premier est bien, mais. À mon avis, c'est mieux que. On voit, il y a des clins d'œil aussi. Là, j'ai vu les ronds orange et bleus, là, ça fait penser à. C'est du portal, oui. Un portal, oui, voilà. Ouais, mais en vrai, la seule précision que je voulais apporter, c'est que. C'est un très bon jeu, mais pas du tout dans la même vibe que The Witness, parce que The Witness, c'est beaucoup de puzzles où tu te places devant un plateau et tu dois déplacer les briques. Là, c'est beaucoup plus des puzzles dans l'espace où tu dois utiliser des lasers, des cubes que tu dois placer à certains endroits. Tu dois courir à un endroit au bon moment pour... C'est beaucoup plus réparti dans l'espace et dans l'environnement
que The Witness, qu'il y a beaucoup de trucs qui sont concentrés en fait, sur un seul puzzle spécifique à un endroit précis. Il y a quand même des zones un peu environnementales, mais oui, ok, je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que c'est aussi tiré par le cul que The Witness ? Tiré par le cul ? Non. Ah, c'est quoi cette expression ? Du coup, tu trouves pas que The Witness, c'est un jeu tiré par le cul ? Je comprends pas ce que tu veux dire. Je pense comprendre. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que j'ai un bac plus 5 en Diogo. Ce qu'il veut dire, c'est que dans The Witness, tu as des choses qui sont un peu plus, un peu moins, comment dire, naturelles, organiques. C'est un peu absurde, en fait, des fois, les puzzles de The Witness. Ouais. Là, disons que Talos Principle, c'est beaucoup plus terre à terre. C'est, tu vois un laser, tu vois le petit interrupteur, tu as un bâton avec un cristal qui te permet de relier les deux. Tu relis les deux, c'est pas les deux qui sont cachés dans l'environnement, comme tu sais, il y a une ombre, il faut faire comme ça. Et Après, ça veut pas dire que Talos Principle est un jeu plus simple, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des trucs où tu vas avoir, par exemple, un puzzle hyper spécifique dans une ruine, mais tu vas avoir un deuxième puzzle où tu vas devoir te déplacer à l'autre bout de la map et utiliser un élément qui était dans le puzzle que tu as déjà résolu. Et la première fois en fait, que tu te rends compte que tu peux faire ça, tu te dis « Ah oui, en fait, d'accord, des fois, tu as des puzzles qui utilisent plusieurs puzzles résolus en même temps. » Mais ça, ça arrive très tard dans le jeu. Mais si tu veux faire tous les puzzles, il y a des moments où tu commences à plus comprendre en fait, les concepts. Mais c'est moins hardcore que The Witness. À mes yeux, en tout cas, c'est moins hardcore. Ok. Allez, terminons par l'adaptation d'un roman de science-fiction polonais sorti en 1964 que j'attends, comme Diogo, avec beaucoup d'impatience. The Invincible. L'Invincible en français. Le bouquin. Hein. Le jeu s'appelle toujours The Invincible chez nous. Mais ouais, parce que j'ai lu le bouquin il y a très 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 longtemps. J'ai compris la moitié. C'est de la hard SF qui fait mal à la tête. Ça m'a fait penser un peu à Inherit the Stars de James P. Hogan pour les gros dégueulasses qui nous regardent. Mais ouais, petite réjouissement. Moi, cette bande-annonce, elle me fait rêver. J'ai envie de partir sur Mars. Donc voilà. C'est une première réalisation de Star Wars Industries, petit studio polonais. Ça tombe bien parce que le bouquin est polonais. Écrit par Stanislaw. J'ai mon polonais, j'ai le prononcé, mais désolé à tous les polonais qui nous regardent. Stanislaw Liu. Roman des années 60 et en fait cette adaptation ne reprend pas le bouquin trait pour trait, c'est le nouveau personnage, la trame narrative est peu, l'univers est le même, la narrative reprend cette idée de partir à la recherche d'une expédition spatiale qui a disparu et de son crew, son équipage, mais voilà, dans un robage très, très narratif, à base de choix, à base de décisions à prendre, à base de conséquences, à base de... On nous promet quand même ils assurent quand même qu'ils évitent le carcan du Telltale Games, quoi, du machin, tu dis un truc, ils se souviennent de ça, des trucs un peu trop guidé, un peu trop mal caché. Enfin, il dit ça, mais bon, on va voir ce que ça va ressembler. Mais là aussi, c'est genre console nouvelle génération et PC, c'est de l'Unreal Engine. J'ai pas noté ça. Je sais que c'est. Je sais qu'il compte parmi les développeurs Marek. Alors, c'est encore un nom. Je suis désolé hein, à toute la communauté polonaise qui nous regarde vraiment. Marek Markus Siewski. Bien sûr, mais. Producteur sur The Witcher 3, Blood and Wine. Donc, le monsieur sait ce qu'il fait, a priori. Mais oui, il y a des moyens, le jeu est relativement joli. Vu que ça sera à mon avis des environnements qui sont principalement vides, ça devrait bien tourner. Mais voilà, il faudra résoudre des énigmes, il faudra prendre des décisions. Il y a eu une démo il y a quelques temps pour le Steam Deck Fest, je ne sais pas si elle est encore disponible à l'heure actuelle, mais les retours sur la démo étaient vraiment bien. Ça fait longtemps que le jeu a été annoncé en 2020, repoussé plusieurs fois. A priori, cette année c'est la bonne, mais on n'a pas de mois ni de jours de sortie. On attend ça avec impatience. Allez, vous avez souhaité mettre en lumière des petits jeux indés qui sont franchement passés sous les radars. Et toi, Alex, t'es tombé sur le charme de Naiad, un jeu conçu par un seul homme. Ouais, après, qui n'est pas vraiment. Enfin, passé sous les radars, pas vraiment, parce qu'il avait été présenté dans au moins un State of Play, si ce n'est deux. Mais c'est un jeu à concept très simple. C'est. Une naïade, du coup, une sirène, j'irais. Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent mythologique le plus proche. C'est un esprit de la rivière. Voilà, de l'eau même, je crois. Bref, qu'importe. Je ne suis pas expert en mythologie des rivières. Et du coup, tu incarnes une petite naïade qui, juste, ça va être un jeu très contemplatif, avec une direction artistique très jolie, très colorée. J'ai un peu l'impression que ça va être un feeling à la Abzu, où tu te balades beaucoup dans la flotte.
J'aime beaucoup ce genre de jeu. Ouais, c'est du Kelmacor, ça. Ça, j'ai compris. Non, mais j'aime beaucoup. C'est le petit jeu détente, sans prise de tête. L'un des rares jeux où je sais que je ne vais pas rager dessus, donc je prends. Voilà, pour des sessions de Diablo 4, ça se met sous... Non, ça a l'air joli. Bon, ça sortira à la fin. Surtout pour un jeu fait... Enfin, un seul homme. Fait solo. C'est très bon. C'est ça, ouais. Moi, je peux te faire un jeu solo, mais... Faut voir la gueule. Hein. Et le développeur, il vient de. T'as le nom du développeur? IWARP. Non, il a créé un studio pour lui tout seul qu'il appelle IWARP, mais j'ai pas son vrai nom. Je sais même pas, j'ai pas pensé à vérifier. Je l'ai vu, mais je l'ai pas noté. On enchaîne, Jules, tu as flashé pour un jeu de skate pas comme les autres qui sera édité par Devolver, si je dis pas de bêtises. Et oui, et qui a l'air également créé par un seul homme, Sam Heng. Bon, la vérité, c'est que j'en sais rien, puisque quand on tape Sam Heng sur Internet, on tombe sur son site qui est constitué d'une seule image qui s'appelle Skate Story. En gros, et Skate Story, c'est quoi? Il n'a rien à voir avec Golf Story qu'on avait pu avoir il y a quelques années. Non. Là, c'est vraiment un autre jeu. Dans le nom, rien à voir avec Story of Seasons non plus. Enfin, sur le coup, je me suis dit, quand tu m'as parlé de ce jeu, j'ai dit, tiens, on va aller voir, est-ce que c'est. Est-ce que, voilà. Mais non, c'est pas ça. Visuellement, ça tranche. Ça fait un moment qu'on l'a vu, et normalement, il est toujours prévu pour cette année, même si on n'a pas eu de nouvelles depuis un petit moment. Moi, j'espère qu'il sortira cette année. Et j'ai juste noté le synopsis sur Steam qui, je pense, vaut son pesant de cacahuètes. On va faire des ollie, des kickflips et des grinds à travers les cendres et la fumée de l'enfer avec une quête sisyphéenne. On va skater comme l'éclair pour détruire des démons et sauver d'autres âmes torturées. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a besoin de plus pour acheter un jeu? Franchement. C'est linéaire à fond, du coup. C'est linéaire à fond, j'ai envie de te dire. Parce qu'il y a des zones un petit peu plus ouvertes que le trailer à terme entre ces zones-là. Je sais pas. Après, là, j'avoue qu'il va un peu plus lentement que d'autres trailers qu'on a pu voir. Mais là, il est en pleine présentation du conseil. Il y aura du gros son, non? Il y aura du gros son, normalement. C'est un Wild Arts, mais pour les gars un peu plus pour les grinders, ouais. Ouais, exactement, ouais. En tout cas, voilà. Là, c'est un trailer plus calme que d'autres qu'on a pu voir. Mais bon, peu importe. Le jeu final a l'air d'avoir une sacrée gueule, sacrée ambiance. Moi, j'ai hâte de voir. Ça marche. Dans un autre genre, plutôt horrifique, Diogo nous propose un jeu de rôle monochrome, World of Horror. C'est ça? C'est bien. En plus, il y a vraiment un style graphique, on va voir ça, mais particulier. Ouais, et encore un développeur polonais. C'est la fête aux Polonais. Et polonais, encore quoi. Un nom que je ne saurais pas prononcer. Pavel Kosminski. Respire. Désolé, c'est mon regard. Je suis désolé, frérot. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui a été annoncé il y a très très longtemps et qui est disponible en Early Access depuis très très longtemps sur Steam. C'est un jeu d'horreur à déroulement génération procédurale où en fait il faudra résoudre quatre mystères. Et ensuite il y a une séquence finale qui est toujours commune. Mais voilà, c'est qui mélange des combats de jeux de rôle au tour par tour dans un univers. On a remarqué qui fait très très peur, enfin qui fait peur, qui est angoissant, mais qui rappelle surtout Junji Ito pour ceux qui aiment les mangas d'horreur. Ouais, ça fait très manga. C'est ça. Shintaro Kago, c'est plutôt ma cam, mais c'est. Ça rappelle aussi les premiers jeux de rôle qu'on avait sur PC. Il y a une grosse inspiration PC 88, tout ça. Le mec est allé chercher très loin. Les développeurs d'Europe de l'Est, quand ils font un jeu comme ça, hommage au Japon, ils se la tuent, ils font des trucs de fou furieux. Ça me mettait comme les amis de Ringo Ishikawa, là aussi. Ouais. Bref, les mecs se tuent. C'était polonais, Ringo Ishikawa? Je sais pas si c'était polonais, mais ça venait d'Europe de l'Est. Non, c'était russe, tant pour moi. À l'Est de chez nous, quoi. Et c'est très très joli, et il faut savoir que c'est réalisé entièrement sur MS Paint. Donc le mec était là, le style one beat, comme ça s'appelle, je ne savais même pas que ça se disait comme mot. Et pourquoi on en parle? C'est parce qu'il sort en version finale cette année, au courant de 2023, donc 19 octobre. Pas longtemps. 19 octobre. Ça faisait grave longtemps qu'il était en early access. Je l'ai fait à une époque très très lointaine. Ça fait depuis 2020 qu'il est en early access, et là il sort non seulement sur PC en version finale, mais aussi sur console PlayStation 4. Switch et PlayStation 5. Par contre, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont adapter les commandes à la manette. J'espère que ça sera relativement bien. J'espère que ça ne sera pas un curseur qu'il faudrait passer à l'écran, parce que c'est l'horreur et c'est jamais la bonne solution. Tu crois que tu n'auras pas un curseur, tu auras un curseur. Avec le trackpad, peut-être. J'espère qu'ils vont se craquer pour faire une interface un peu plus manette friendly, mais big up à Pavel, si tu nous regardes. Chapeau pour les efforts, et on reparlera de ce jeu sûrement quand il sortira en version finale. Je pense que Pavel est un abonné Game Cult, je pense. On peut se baser là-dessus, c'est sûr. Avec plaisir. Allez, on enchaîne à présent avec les plus gros projets, les blockbusters qui débarqueront en masse et en matière de projets ambitieux. On est quand même peut-être obligé, enfin, en tout cas je me sens obligé de commencer par Starfield, sur lequel Microsoft, Xbox comptent beaucoup.
Moi, je compte beaucoup dessus aussi. Il t'es pas le seul. Non, mais que dire, qu'on ne sait pas déjà, en vrai, pas grand-chose. Je pense que la grosse présentation qu'on a eu le droit au mois de juin a tout dit. Maintenant, ouais. Il faut juste que ça sorte. Et ça sortira le 6 septembre, c'est ça ? 6 septembre, effectivement. Et je pense qu'il doit y avoir une grosse pression chez Bethesda pour arriver à sortir ce jeu sans trop de bugs, hein, puisqu'on... Voilà, bah, c'est un peu la marque de fabrique de Bethesda depuis... acceptable, quoi. Voilà. Depuis, oui, honnêtement, je serais tolérant de toute façon avec les bugs quand tu construis un monde de cette taille. Après, ça reste Bethesda. On est habitué à ce qu'il y ait plein de bugs, mais... Ils nous ont déjà... Au fait, on s'est tellement foutu de leur gueule, et ils ont aussi, de leur côté, annoncé qu'ils avaient fait un Q&A beaucoup plus massif sur ce jeu que sur n'importe quel... oui, Q&A. De QA sur ce jeu que n'importe quel autre jeu Bethesda. Donc, j'espère que ça va porter ses fruits, en fait, et qu'on va se retrouver avec un truc relativement clean. Bah, il paraît qu'apparemment, tous les mecs en QA de Xbox étaient en train de poncer le jeu dans tous les sens. Donc on espère que ça va porter ses fruits. Oui, et puis qu'on n'aura pas un effet... Sur un jeu aussi gigantesque, c'est tellement un travail de titan que... En même temps, il n'y a pas le choix. Quoi. Ah, et qu'on n'ait surtout pas un effet No Man's Sky avec cette grande proposition, mais sur lequel on risque de s'enlever, parce qu'ils ont quand même annoncé qu'il n'y aurait que seulement 10% des planètes, alors tout, voilà, qui serait... Ça reste immense. C'est un jeu avec une ambition titanesque, avec un scope qui est assez vertigineux, dans les activités, dans l'univers... c'est déjà énorme en fait toutes ces planètes, sûr. Même s'il y en a beaucoup qui seront des planètes, probablement des planètes arides où il n'y aura peut-être pas grand chose à faire, mais il n'empêche que ça reste titanesque. Je suis plus confiant quand même que No Man's Sky, parce que le problème au lancement de No Man's Sky, c'est qu'il y avait une grosse dimension mensongère. C'est Shane Murray allait quand même sur les plateaux télé et disait par le cul par l'action marketing Sony qui a dit stop, est-ce que tu peux rendre ton jeu plus de ce qu'il l'est fait à la base, Shane Murray, la direction de Sony, le coupable, aux yeux d'un consommateur, c'est enfin il y a quand même eu mensonge. Ok, d'accord, il y a peut-être des circonstances atténuantes et on peut l'excuser d'avoir fait ça, il n'empêche que c'était un mensonge. Bethesda a priori, enfin, sauf grosse catastrophe, je pense pas qu'on soit sur le même niveau, oui. En fait, de... Il y a un peu plus de moyens, un peu plus de personnel dessus. Soit le mot, mais bon. Todd Howard disait pas un menteur, c'est un Marseillais, c'est différent. C'est ouais. 16 times the details. Mais c'est pas un peu des Peter Molyneux, tu vois. Donc moi, je. Peter Molyneux, c'est pas non plus du mensonge, c'est de l'hallucination. C'est lui-même. Non, j'avais pas jusqu'à comparer Starfield à No Man's Sky, même si la propale de les panneries de génération postulaire, etc. Non, moi je suis plus que la version Xbox, parce que j'ai pas joué sur PC. Donc j'ai envie de voir. Ils ont annoncé 30 FPS loqué. Ils ont annoncé, ils ont bien raison, parce que enfin ils ont bien raison. Mieux vaut un 30 FPS loqué qu'un jeu où les performances fluctuent tout le temps. Bien sûr. Et bah, surtout sur un jeu de cette taille, encore une fois. Là, et c'est pas, on est, ça pas un problème parce que enfin. Si pas pour le gameplay déjà. Ils annoncent quand même que le gameplay sera meilleur, donc paradoxalement, le K à 30, ça sera toujours ce manque de fluidité au niveau des contrôles, mais à mon avis, ce ne sera pas, un gros problème pour ceux qui joueront au jeu. C'est surtout la version Xbox moi, qui m'intéresse. Du point de vue technique, j'ai envie de voir un peu à quoi ça ressemblera. On fera un petit comparatif quand on aura les deux versions. Mm-hmm. Ouais, moi, je vais juste ajouter un point sur l'échelle du jeu, justement. C'est vrai qu'on dit qu'il y a seulement 10% des planètes qui sont vraiment travaillées, le reste, ce sera évidemment des zones arides. Bah, Todd Howard avait lui-même dit que c'était volontaire dans le sens où ça veut dire que les modeurs peuvent après se choisir une planète et y poser ce qu'ils veulent sans être embêtés par la topologie ou par quoi que ce soit. Donc déjà, ça, c'est un plutôt bon point. Et le second bon point, ils ont été critiqués récemment parce qu'apparemment, il n'y aurait que 4 love interest, 4 personnes avec qui on pourrait sortir dans le jeu. Et il y avait des gens qui disaient ça fait quand même trop peu pour un jeu si ambitieux. Et il y a des scénaristes de l'industrie qui ont défendu Bethesda, et pour le coup, je suis d'accord. Ils disaient, vaut mieux 4 histoires bien complètes, bien écrites, que essayer d'en faire trop et se perdre dans des circonvolutions. Pour le coup, je trouve qu'ils n'ont pas les yeux plus gros que le ventre là-dessus, ça peut être pas mal. Cyberpunk, il me semble qu'il n'y avait que 4 love interest. C'est exactement ce que j'allais dire, ouais, voilà. Il n'y en avait pas beaucoup plus dans Cyberpunk et ça a posé de problème à personne. Après, il y en a deux que j'ai trouvé vachement osef, mais ça, c'est un autre problème. Les deux autres étaient hyper bien écrits, donc de ce point de vue-là, c'est pas très grave. Donc voilà, disons que ça permet de rester relativement confiant dans un sens où, pour une fois, ils ont pris conscience de leurs limites et même s'ils proposent beaucoup, on n'a pas l'impression qu'ils promettent l'impossible non plus. Quoi. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait ? On enchaîne avec... Donc, je disais que c'était un gros pari, en tout cas pour Xbox et Bethesda. Et un gros pari, il y en a aussi un chez Bandai Namco et From Software qui veulent nous
poussé à faire des combats de méca. Ça, l'autre, je doute, c'est vrai, maintenant qu'on en parle. Attends, toujours pas capté. Acteur studio, ça se voit, l'école américaine. Bien sûr. Non, je voulais dire, c'est qu'on sent la volonté de Bandai Namco de dire là, voilà, on va tous vous mettre au combat de méca. Pyres of Rubicon. Et de ce qu'on a vu, ça m'a l'air riche. Mais oui, il y a gros enjeu de réciter une licence comme ça, parce que ça fait longtemps qu'on. Ça existe, hein, bon d'accord. Petit début sur PlayStation, puis PS2, puis PS3. Totalement skippé la génération PlayStation 4. Pour revenir, vu que ça sort aussi sur PS4, Xbox One, complètement oublié. Je pensais que c'était une screen next-gen, mais en fait, non. J'espère que ça tournera bien sur les consoles d'ancienne génération. C'est vrai que les combats de méca, c'est plutôt. Bah, c'est pas forcément le public européen, non ? Le public européen, il prend ce qu'on. Tant que c'est bien, il prend, quoi. J'ai envie de dire que. C'est vrai que c'est pas une série qui est toujours un scope aussi. Les jeux From Software avant Dark Souls. C'était pas des jeux qui avaient un rich, comme on dit en anglais, j'aime pas utiliser ce mot, mais un rich public grand. C'était des jeux, ce soit à mon record, qui se vendaient, qui dépassaient difficilement les 150 000 exemplaires vendus. Mais honnêtement, toi qui connais la série, ce qu'ils essayaient même de le vendre en Europe, donc ça, parce que moi, franchement, étant gosse, ils essayaient dans la mesure, dans les moyens, leurs moyens de faire du marketing, quoi. Donc, c'était concentré Japon, quoi. Et même au Japon, ça perçait pas de fou furieux, parce que c'est comme des jeux qui sont relativement exigeants dans les contrôles, même s'ils sont pas, ils sont moins difficiles qu'on pourrait penser, parce que c'est une série qui mise beaucoup sur la customisation, donc tu te trouves avec des parties énormes de mecha qu'il faut customiser, etc., faire des builds. Ça demande un peu d'investissement, mais ce n'est pas des jeux qui sont non plus insurmontables. Mais là, forcément, on se dit, est-ce qu'ils vont s'ouvrir au public de Dark Souls? Parce que les Soulsborne, est-ce qu'il faut plaire assez à ce public-là en particulier? On a déjà vu dans les images qu'il y avait quand même une volonté de s'ouvrir un minimum par l'introduction de Chainpoint avant les combats de boss. Et que les combats de boss, comme on l'a dit dans les images, sont aussi prennent une place plus importante au terme de. Est-ce que les combats de boss dans Armored Core, avant, c'était surtout des combats d'AC, de robots contre robots, à taille à peu près égale. À partir du 4, ça s'ouvrait vers des boss un peu plus grands, mais c'était relativement rare. Là, on a vu des boss un peu plus dans le sens un peu plus traditionnel. Putain, mais l'enchaînement, il est parfait. On a vraiment une réunion fou furieuse. Dont cette petite machine. Le jeu est très beau, quoi. C'est là qu'on voit, je trouve, qu'il est très très beau. Ouais, très belle particule. J'espère que ça tournera bien sur console dans cette génération pour ceux qui joueront dessus. On voit des esquives, on voit une grosse emphase sur le jeu, sur le combat en corps à corps. Et aussi, il y a aussi ils ont présenté des objets la première fois des objets de soins qu'on pourra utiliser au cours d'une mission. Et mission d'Armored Core, ceux qui ont joué à Armored Core savent que ça peut parfois durer à peine une minute et demie. Parce que si tu optimises en fait ton site de jeu, ça va très vite. Là, ils ont, à mon avis, une volonté d'agrandir la longueur de la mission en te permettant de te soigner pendant la mission et pour en fait proposer à chaque fois des séquences de jeu qui dureront peut-être, qui sait, une dizaine de minutes. Pour l'instant, on n'en sait pas trop grand-chose. Il faudra attendre d'avoir les mains dessus, mais ça sort dès le 25 août. 25 août. Et moi, tu seras là pour faire le test ? Ouais, attends. Ça marche. À d'autres. Oui. J'avais juste une question. Il y a beaucoup de rejouabilité sur les Armored Core de base. Une fois que tu as fait toutes les missions, il y a souvent des objectifs optionnels. Puis tu peux aussi expérimenter avec des builds différentes, utiliser ton style. Après, ça dépend si tu es un gros dégueulasse comme moi ou pas. Mais c'est. Oui, c'est des jeux qui ont. En plus des missions, il y a souvent aussi toujours un mode arène où c'est là, pour le coup, c'est que des combats contre des Armored Core. Et c'est souvent ça peut vite devenir très difficile. Donc ouais, quand même, il y a des choses à faire dans les Armored Core. Moi, je vais juste apporter ma petite analyse qui vaut pas grand-chose, mais on va dire sur les chances qu'il peut avoir en France et en Europe de percer. Honnêtement, je trouve qu'en ce moment, le mecha, c'est en train de faire sa petite niche dans les communautés occidentales. Déjà, évidemment, il y avait des passionnés de Gundam depuis longtemps, mais là, surtout aux dernières saisons, Witch from Mercury, qui est, je crois, diffusé sur Crunchyroll. Moi, j'ai remarqué pas mal de gens commencer à en parler et se mettre un peu comme ça au mecha. Alors évidemment, Gundam, c'est pas exactement la même ambiance que Armored Core. Hein. Des Gundam. Des Gundam. Ouais, Gundam, je sais pas, moi. Gundam. Peu importe, Gundam, c'est quand même un peu plus coloré, aussi un peu plus mélodramatique que Armored Core 6. Ah bah oui, non mais. C'est pas tout à fait la même ambiance, mais dans le gros robot, je veux dire, voilà, ça peut attirer l'attention. On a bientôt Goldorak aussi. Le meilleur moyen d'attirer l'attention, c'est de mettre sur la pub du jeu par les gars qui ont fait Elden Ring. Voilà, ça va pas plus. À mon avis, t'as pas besoin de plus que ça pour attirer. Ça fera jamais les chiffres d'Elden Ring, mais à mon avis, il risque d'y avoir une bonne conjonction, ça risque de bien se passer. Quoi. Malheureusement, peut-être dans une autre timeline, mais malheureusement. Après, peut-être le 7, le 8, quand ils sortiront dans 20 ans. Allez, je vous propose de nous diriger vers le mois d'octobre 2023 dans lequel il va y avoir énormément de jeux qui vont s'affronter.
Commençons peut-être par Alan Wake 2 qui, alors, Remedy nous le vend comme le plus beau jeu de l'année. Ils y vont un peu fort, non, quand même? Bah oui, ou après Horizon Forbidden West est sorti l'an dernier, donc on va dire qu'ils ont un petit boulevard sur console. Ouais, mais il y a le DLC. Il y a le DLC. Est-ce qu'on le considère comme un jeu complet? Bon, sémantique, voilà, on fait chier sur de la sémantique, c'est cool. On salue l'Académie française. Jeu le plus beau de l'année. Bah, pour l'instant, de ce qu'on a vu, c'est vrai qu'on va dire qu'ils sont plutôt bien partis. Notamment, bah, on va le voir à l'écran. Le problème d'Alan Wake 2, c'est que c'est un jeu en trailer qui fonctionne pas tellement. Hein. C'est un jeu d'ambiance, donc tu mets une bonne ambiance de 3 minutes. Bon, bon, on a vu un petit peu de gameplay. On a vu un petit peu de gameplay, mais c'est pas, j'ai envie de dire, t'as rien vu. C'est un jeu où tu dois t'immerger. Mais les séquences, les courtes séquences qu'on a vues avec Alan Wake dans le New York des ténèbres, le New York fantasmagorique, ça a l'air très esthétique au niveau des effets de lumière. On remarque en tir sur les ennemis qu'il y a un effet de gore, de détachement de la chair qui est assez poussé. Les effets météo ont l'air extrêmement travaillés. Je trouve qu'on a vraiment une patte cinématique, alors qui est caractéristique de Remedy, certes, mais qui là est poussée assez loin, qui permettent effectivement de laisser croire que voilà, ils vont jouer très haut. Est-ce que c'est le jeu le plus beau? Je sais pas, ça dépend aussi des goûts. Mais moi, en tout cas, il y a quelque chose. Je trouve Armored Core un peu plus impressionnant, honnêtement, mais pour l'instant. Et après, il y a quand même quelque chose d'intéressant du point de vue scénario, puisqu'on pourra faire un petit peu l'histoire dans l'autre. Et ouais, c'est ça. Bah, on en a déjà parlé en vrai pendant le Summer Game Fest, mais je redis en vrai. Mais en réalité, merci. Il y aura deux personnages, donc Saga Anderson, agent du FBI, et Alan Wake, qui est plongé dans les ténèbres. Et les développeurs, Sam Lake lui-même, a promis qu'on pourrait en fait switcher de personnage quand on veut et faire les chapitres dans l'ordre qu'on veut. Alors ce qui paraît un peu étrange, puisque normalement les deux personnages sont censés se répondre, plus ou moins. Et surtout, c'est un défi narratif d'envergure pour Remedy qui généralement nous met sur une jolie ligne droite, même sur Control, qui on va dire tu peux aller revisiter des zones, ce genre de choses. L'histoire en elle-même reste relativement linéaire, parce qu'ils ont aussi une narration extrêmement maîtrisée. Quand Tomb Raider, ils avaient un peu essayé de faire une série narrative aussi, une série parallèle. Donc à voir, c'est un gros défi sur la forme narrative. Après, sur la forme du gameplay, ils ont un petit peu rénové la formule Alan Wake, on l'a vu, avec un petit peu plus de dynamisme sur les esquives. Une forme de tir à la hanche où tu vides ton chargeur d'un coup. Bon, c'est pas non plus pour le gameplay qu'on va jouer à Alan Wake, il faut être sérieux deux minutes. On est là pour l'histoire et pour l'ambiance. Et j'ai après, vu c'est gameplay bien, c'est pas mal. Hein. Oui, c'est le gameplay bien, on va pas se plaindre non plus, ça c'est clair. Mais dans l'absolu. Dans l'absolu, moi je trouve que le gameplay de Control est plutôt bien, après j'y ai pas joué énormément. C'est tout le reste qui est pas bien. Waouh! Gros, environnement, c'est bien tout ce que tu peux pas critiquer. C'est un bien tout que tu peux pas critiquer dans Control. Le reste, c'est moi, je l'ai trouvé cool, le gameplay. Je trouve juste que l'histoire est absolument incompréhensible. Sauf si tu vas voir sur Internet fin de Control expliqué. Mais c'est surtout que la fin de Control est extrêmement abrupte et qu'après, si t'as pas les DLC aussi, t'as vraiment l'impression de rester sur ta fin. Mais ça a aidé bas du front. Revenons sur Alan Wake. En tout cas, je voulais dire que pour ceux qui voulaient réviser, c'est ce mois-ci, non? Sur PS Plus. Qu'il est que Alan Wake 1 est dispo. PS Plus essentiel, ouais, il me semble. La première strade de PS1. Ouais. Il est aussi, j'ai vu qu'il était aussi dispo sur Switch, mais par contre sur Switch, je crois qu'on le déconseille parce que c'est vraiment pas au point, je crois. Il paraît que c'est en dessous pour l'original. Pour l'immersion, ouais. Et d'ailleurs, moi je vais dire un truc, je comprends pas qu'ils aient fait une version remastered seulement parce que tu vas me dire, t'aimes pas les remakes de Go, d'accord. Mais suis-moi, s'il y a bien un truc que tu pouvais remake aujourd'hui à l'époque du ray tracing, c'est Alan Wake où tout l'intérêt du gameplay c'est de la lumière. Je veux dire, pourquoi s'embêter à faire un remaster? Bah, ça coûte de l'argent, ils veulent pas faire de l'argent aussi. Enfin, je sais pas. Ouais. Honnêtement, j'aurais pu acheter le remake comme un bon gros pigeon. Alors que là, le remaster, je m'en fous, j'ai fait une fois, je m'en fous vraiment. C'est un jeu qui est sorti en 2010, bon d'accord. Bon, et on verra tout ça. Allez, après Alan Wake 2, on enchaîne avec Marvel Spider-Man 2 d'Insomniac Games où là aussi hein, il doit y avoir peut-être un petit peu de pression chez Insomniac pour. Bon, je pense pas. Ils connaissent la formule. Hein. Ouais, Insomniac, franchement, c'est un peu le gars sûr de Sony en ce moment. Ils bourlinguent, ils font tout. Tu les mets sur des rails, ils ramènent de l'argent. Ouais, mais c'est un Spider-Man uniquement pour la PS5, donc il faut quand même que ça tourne bien. Et puis, il y a ce côté, voilà, est-ce que ça va être le 1 en mieux? Juste le 1 en mieux? Alors, moi, c'est un peu ce qui me fait peur. Je suis un gros bouffeur de comics, comme vous le savez. Mais... en fait, c'est un constat que je me dis pour tous les jeux Sony en réalité. C'est-à-dire que de la même façon qu'il y a dans le cinéma ce qu'on appelle une super-héros fatigue, moi je commence à avoir une open world Sony fatigue en fait. Et il a l'air très bien ce Spider-Man, mais c'est un open world Sony. En fait, j'ai juste besoin de dire ça en réalité et pas beaucoup plus.
est-ce que ça va pas, je ne vais pas être saoulé au bout de 20 heures de jeu, de me dire, mon Dieu, j'en ai encore pour 40 heures à explorer encore cet univers. Il va brasser un Max the Freak, il n'y a aucun souci là-dessus, il va probablement être très bien. Mais à un moment, je me demande pendant combien de temps encore Sony va pouvoir nous sortir cette formule d'open world vue et revue, et que les gens vont commencer à leur dire ce serait bien quand même qu'on fasse un peu autre chose, il commence à y en avoir un peu marre. Surtout que c'est, comme d'habitude, c'est des temps hyper longs. Tu pars sur minimum 50 heures de jeu. Ah, c'est quand même plus court, Spider-Man. Oui. Surtout Miles Morales. Après, c'est toujours la même chose. Tu sais que moi, j'ai du mal je suis un autiste, oui, j'arrive pas à ne pas faire le 100%. Donc, quand tu fais le 100% sur ce genre de jeu, c'est long. Donc, c'est un peu débile, en fait, que je râle sur le fait que tous les open world Sony commencent à se ressembler. Genre, je pourrais me dire, t'as qu'à pas faire le 100%, mais c'est au-delà de mes forces. Il y a quoi comme nouveau quartier dans le 2? Il y a le Queens. Il y a Queens et Brooklyn. Ouais. Oui. J'ai vu pas mal de commentaires à l'international qui disaient mais pourquoi il change pas de ville, pourquoi il va pas à San Francisco, mais parce que c'est Spider-Man, c'est oui. New York. Non mais après Brooklyn, c'est ça aussi, c'est que c'est au fait, comme je le vois, c'est la même chose en plus grand et peut-être en plus riche niveau gameplay. Encore une fois, je me fais aucun souci sur le succès du jeu. Mais en fait, je pense que c'est ça. Nous, on est entre guillemets, enfin pas spécialement entre guillemets, on est des hardcore gamers, et surtout à la fois pour le plaisir. Non mais suis-moi. Dans le sens où on joue énormément à la fois pour le travail et pour le plaisir. Et c'est vrai que. On joue pour le plaisir. Ouais, bon, toi, c'est peut-être un concept qui t'est étranger, mais moi, par exemple, je rentre le soir, je m'amuse, tu vois. Bon, après, chacun son plaisir. Mais non, c'est une formule d'open world qui plaît beaucoup, on va dire, à des joueurs plus casual, qui en vérité se prennent 2-3 open world par an et ça leur suffit vraiment bien. Assassin's Creed tourne avec eux depuis des années et Valhalla a fait des chiffres records, alors que franchement, c'est pas le meilleur. Ouais, mais pour moi, ça marche pas cet argument, parce que quand tu regardes les succès sur PlayStation, tu vois que les gens décrochent hyper vite. Les gens décrochent vite, les achètent. L'achievement, au fait, de juste terminer le jeu, même pas à 100%, il a un taux de complétion hyper faible à chaque fois, et c'est systématique. Ça, c'est pour beaucoup de jeux. Enfin, en vrai, ça me saoule. Les gens ne terminent pas les jeux. Ça, c'est vraiment. Tu peux prendre quasiment n'importe quel jeu sur Steam. En fait, il y a très peu de jeux qui sont terminés. C'est chez eux aussi, Wolverine ? Bien sûr, ils font aussi Wolverine. Bah, c'est Insomniac qui s'en occupe également. Je pense qu'on va prendre quand même une rythmique assez différente. On va voir. Bon, en tout cas, ça arrivera le 20 octobre en exclusivité sur PS5. Et le même jour, pour les possesseurs de la Switch, ce sera la sortie du Mario... comment il s'appelle ? Mario Super Mario Bros. Wonder. Voilà, Wonder. Et on est très contents parce que ce n'est pas un New Super Mario Bros. Et autant je me suis amusé des heures comme un petit fou quand j'étais enfant. Et j'ai même aimé New Super Mario Bros. 2, que beaucoup de gens n'ont pas tellement apprécié. Il était quand même temps de mettre cette branche au placard, parce que c'est un peu comme le Pont Neuf de Paris, c'est le plus vieux, ben là c'est pareil, New Super Mario Bros. C'est plus new depuis 2006 factuellement, donc il faut peut-être lever un peu le pied. Ah, c'est le Pont Neuf, d'accord. Le Pont Neuf, tu es là, Van ? C'est l'école Raymond DeVos là, on est sur du haut niveau là pour l'été là. Et une direction artistique assez charmante qui emprunte beaucoup quand même à l'époque Super Mario World. Avec tout simplement la petite trogne de Mario et la petite semi-rigidité dans les animations. Voilà, il tape bien la pose quand il saute. Et surtout le fait qu'il y a beaucoup plus de variété dans les décors, surtout qu'on va ramasser ce qu'ils appellent les Fleurs Wonder, qui vont donner un effet un peu psychédélique et qui vont déchaîner des trucs un peu marrants dans le décor. Et voilà, je trouve que c'est plein de charme, ça respire vraiment la fraîcheur, la nouveauté. Et c'est évidemment un très très bon timing, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de Mario 2D dédié. Évidemment, il y avait une campagne dans Super Mario Maker 2, mais c'est pas pour ça que les gens l'achetaient en tant que tel. Et surtout après le film Mario, c'est un très très bon moment pour ramasser la grosse moula, comme disent les jeunes à Noël. Parce qu'il sort en octobre, mais à la limite, ils s'en fichent de sortir en octobre. Ce qu'ils visent, c'est clairement le 24 décembre sous le sapin. Deux jours avant rien, ça, juste... information. Ok, c'est noté. Deux jours avant mon anniversaire. Deux jours avant ton anniversaire. Pour ceux qui seraient connus. Vous savez quoi, envoyer à la rédaction pour faire plaisir à lui. Super Mario Wonder. Alors, c'est bien qu'ils aient décidé d'être une DA, un jeu Mario. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas mis DA, un jeu Mario. Et là, ils se sont dit, venez, on taffe un peu et on fait une direction artistique qui ressemble à quelque chose. La DA était très bien pour la DS, mais c'était purée, ils ont fait quelque chose. Ça va faire 15 ans, quoi. Ah oui, voilà. Et puis, avec cette transformation qui a marqué tout le monde, où Mario va pouvoir se transformer en éléphant. En éléphant. On verra.
Ça nous a fait beaucoup rire à la rédac. Il y a même quelqu'un sur le Discord qui a pris l'avatar Mario éléphant et qui me l'a shippé parce que j'aurais bien pris aussi, mais on n'avait pas de deux éléphants, c'est complètement couillon. Et aussi, moi, ce qui me fait bien plus plaisir, c'est que Daisy est enfin jouable dans un Mario 2D. Il a fallu attendre 2023 pour que ça arrive, alors que c'est un des personnages les plus populaires de tous les spin-offs de la planète depuis qu'elle est jouable. On rappelle qu'elle était apparue dans Super Mario Land 1, si je ne me trompe pas, elle était kidnappée par l'alien Tatanga, bon, qui lui n'est pas prêt de revenir. Il a sorti les archives. J'ai sorti Tatanga, il a sorti le nom et tout. Je pense que je suis un des seuls mecs qui se souvient de Tatanga, parce que très franchement, on s'en fout. Super Mario Land a surtout amené Wario au monde, et ça, c'est beau. Mais bref, tout ça pour dire que, du coup, qu'est-ce que j'espère pour le jeu, qu'on va pas battre les Koopalings pour la 50e fois depuis 2010, parce qu'on n'en peut plus. C'est dans le 2, Wario. Ah, oui, c'est dans le 2. Ouais, c'est pas dans Super Mario Land 1, c'est dans le 2. C'est dans le 2, Six Golden Coins. Super Mario Land 2, Wario. Que 3. Quand il vient, il est dans ce château et tout. J'étais persuadé que c'est le dans le 3, oui, dans le 3. Non, le 2, Super Mario Land 2, 6 Golden Coins, c'est dans le 3 qu'il vient voler le château. Super Mario Land 3, ouais. On ira faire un tour. C'est dans le 2, 6 Golden Coins, le boss final, c'est Wario. C'est Wario. Ah ouais. Super Mario Land 3, c'était le pro. C'était Wario Land. C'était le premier Wario Land. Deux points Wario Land. Oui, voilà, exactement. On vous laisse vérifier de votre côté, vous me mettez ça dans les commentaires. Ah non, mais moi, je suis sûr à 100%, il n'y a pas besoin de vérifier. Bon, eh bien, en tout cas, on a l'impression, en tout cas, que Nintendo nous sort ça et que pareil, que c'est fait sans pression, qu'il y a un nouveau Mario qui sort et qui arrive, et que quoi qu'il arrive, ça va cartonner. Sans pression, je pense que si on allait toquer dans le bureau et qu'on demandait aux level designers s'ils étaient sans pression, tu verrais les gouttes de sueur tomber sur la chemise trempée depuis 3 mois. Je pense qu'ils sont assez sous pression, mais il y a un air de légèreté, de fraîcheur, effectivement, qui émane, malgré tout, de Super Mario Bros. Wonder, qui fait bien envie. Ouais. Et donc, pression, je pense qu'il y en a du côté d'Ubisoft pour ce Assassin's Creed Mirage qui va sortir et qui est quand même, il faut absolument que ce soit une réussite parce que derrière, il y a énormément de plans chez Ubi. Il y a surtout 500 millions d'euros de pertes. Ouais, voilà. Autant pour la licence que pour la société, il faut que ce Assassin's Creed soit un succès. Ils misent tout sur Assassin's Creed à l'heure actuelle. Enfin, ils s'en cachent pas. De toute façon, c'est leur seule licence vraiment ultra, ultra grand public qui fonctionne à l'heure actuelle. Du coup, on met les petits plats dans les grands et on fait de la valeur sûre. Donc, on garde Basim, le personnage qui était apparu dans Valhalla. On revoit le scope un peu à la baisse parce que je vais vraiment passer pour un hater des open world. Mais le fait que le jeu se passe uniquement à Bagdad et alentour fait qu'a priori, on devrait avoir une map beaucoup moins grande que Origins, Odyssey et Valhalla. Donc, déjà, rien que ça, moi, ça me met en joie. Il y a... Ce qui est marrant, en fait, c'est que, justement, les trois derniers open world que je viens de citer, Ubisoft aimait bien, de temps en temps, dans sa com, lâcher que c'était un retour aux sources parce qu'il y avait la lame secrète, parce que c'était un peu plus infiltration. Mais au final, tant que c'était open world, tant que c'était de la chasse au stuff, ce genre de choses, c'était pas vraiment retour aux sources. Là, pour le coup, moi, Mirage, à titre perso, je trouve qu'il fait beaucoup plus retour aux sources que les 4 derniers opus qu'ils ont pu nous proposer. Avec ces séquences parcours là qu'on est en train de voir et qui manquaient un peu. Quoi, ouais, puis même, c'est le retour un peu aux missions basiques où tu as une cible, tu dois aller l'assassiner et ton objectif, ben, c'est de trouver le bon moment pour la tuer et ensuite taper ton meilleur sprint pour t'enfuir des gardes. Il n'y a pas de niveau sur, jusqu'à, ouais, non, voilà, sur les ennemis. Il n'y a pas de level. Il n'y a pas de machin. Jusqu'à revenir à ta planque. On est vraiment en fait revenu sur du Assassin's Creed comme il l'était à ses débuts. Après, il y a beaucoup de gens qui ont pas vraiment qui sont à fond dans les Assassin's Creed maintenant, qui n'ont pas connu cette époque parce que c'était l'aspect open world qui les intéressait. Est-ce que Ubisoft va réussir à intéresser cette frange de joueurs qui a débarqué dans Assassin's Creed avec ces jeux-là et revenir à quelque chose qui était beaucoup plus proche de leurs racines? C'est la grande question. C'est un peu ça qui va être déterminant pour le succès. Et quel studio, Mirage? Bordeaux. Ouais. Enfin, Bordeaux principalement. Après, on sait très bien qu'avec la formule Ubisoft, il y a toujours quelques petits studios à droite à gauche qui viennent en renfort, mais c'est Bordeaux qui prend le lead. T'as combien de potes là-bas? Personne. Ah merde. Enfin, j'ai des potes à Bordeaux, mais pas à Ubisoft Bordeaux, malheureusement. Mais du coup, moi je suis un gros joueur d'Assassin's Creed, je les ai tous faits à 100% pour le meilleur et pour le pire. Non. Surtout c'est pour le pire dans certains. Ouais. Eh, tu me tues là, il m'a du coup, ouais, tu vois tous les petits drapeaux là qu'il fallait ramasser dans le premier, moi je les ai tous pris. Ouais. Mais, du coup, je suis quand même très curieux et j'attends quand même. Avec beaucoup d'espoir, ce Assassin's Creed. Genre tout, même le spin-off du 4 là, dans le. Rogue. Rogue, ouais. Même ouais. Rogue. Non.
J'ai juste pas fait ceux en 2D qui étaient sortis. Oui, personne n'a fait les Chronicles. De quoi ? Même Syndicate. Syndicate, c'était le plus dur. Hein. Honnêtement, j'ai cru que j'allais jamais en voir le bout, mais j'ai tenu bon. Ouais, je vois très bien. J'ai fait aussi. Ah bon ? Ouais. Le pire, c'est un petit peu. C'est le pire de mais tout. Mais c'est vrai que c'était, ouais, ça commençait, ouais. Les cours de calèche, là ? Ouais. Incroyable. Jules ? Je voulais dire, je vais un peu céder au jeu des rumeurs, mais paraît-il qu'ils sont en train de mitonner un petit remake d'Assassin's Creed 4, Black Flag. Ce que je trouve extrêmement drôle, puisque Skull and Bones est toujours porté disparu. Alors théoriquement, il y a une bêta qui arrive en août, et le jeu va finir par sortir. Mais du coup, ils sont enfin dit, bah, les gens veulent plus de Black Flag, donc on va refaire Black Flag. Ils vont recouper les pertes de développement en mettant... C'est ça. Et je trouve ça quand même assez intéressant qu'ils ne refassent pas le 2. Je veux dire, quitte à faire un remake, parce que le 2, c'est quand même le plus iconique, quoi qu'on en dise. Ouais, mais il était sorti en trilogie il y a finalement assez peu de temps. Oui, après, Ubisoft, ça ne les dérange pas comme ça. Je pense que ce n'est pas le problème. Très bien. Allez, terminons cette sélection par deux jeux très inspirés des Souls. Le premier, c'est Lord of the Fallen, que ses développeurs décrivent comme un Dark Souls 4.5. Il ne va pas faire le 4. Rien que ça. T'as vu un peu ? Je sais pas pourquoi ils disent 4.5. J'ai pas compris non plus. Déjà d'où le 4 ? On dirait Brice Denis quand ils ont fait une blague, ils ont cassé le 2. C'est marrant ça. Mais alors, ça, il est tellement grand, du coup c'est à 1.5, du coup c'est bon bref. Réalisation du studio X-Works. X-Works qu'on connaît pour les snipers Ghost Warrior. Et là, ils ont réuni une équipe de choc pour pouvoir ressusciter cette licence, en fait. Accomplir leur vision avec Lords of the Fallen. Une seconde chance, parce que ressusciter, c'est un bien grand mot. Ça s'appelle comme ça, mais ce n'est pas pour autant un Lords of the Fallen 3. Lords of the Fallen qui est sorti il y a fort longtemps, 2013, 2014, la forte époque où tout le monde pensait pouvoir banquer sur Dark Souls sans faire trop d'efforts. Pour le coup, Lords of the Fallen ne faisait pas beaucoup d'efforts. Comment on dit Souls, hein, c'est toute cette façon de faire du jeu vidéo, du action RPG, avec des contrôles, avec de l'inertie dans les combats, des roulades, quand tu meurs, tu reviens à un point de machin, bref. On ne vous refait pas la formule, mais le jeu n'a pas marqué beaucoup d'esprit, si ce n'est par sa médiocrité. Et ils ont quand même insisté, ils ont trouvé que l'univers n'était pas. Tout n'était pas acheté dans l'univers du jeu, du coup, ils ont repris. L'univers en gardant l'antagoniste principal qui n'est pas Tatanga et j'ai noté son nom quelque part dans mes notes. Si j'arrive à me relire, je vous dirai tout de suite c'est quoi. Mais voilà, et ça se déroule 1000 ans après le premier opus. Oui. Et donc ça c'est une suite, un reboot, bref. Bon, pas besoin a priori de faire les deux autres pour pouvoir y en profiter. Mais ne casse pas tout, Jules. Mais il n'y a pas non plus de sous-titres, parce que sinon, les gens auraient pu penser que c'était un spin-off. C'est simplement Lords of the Fallen. On repart presque de zéro. Avec le même titre. Avec le même titre. Un peu comme, de toute façon, c'est la grande mode, hein. The Batman au cinéma, The Suicide Squad. Ouais, mais là, il y a un jeu devant et puis chut, c'est bon. Ouais, mais là, ils n'ont même pas ajouté de particules. Au début, ils avaient ajouté la particule, il me semble. Ils avaient dit The Lord of the Fallen et ils ont essayé de le drop pour plus foutre en l'air notre base de données. Ils ont pris ils ont fait l'inverse. Mais le procédé est le même. On nous promet beaucoup de choses parce que les mecs se cachent pas, en fait. Je crois que. Je sais plus si c'est Saul Gascon, le producteur, mais. Je crois que c'était le directeur créatif dont le nom m'échappe. Mais qui a juste dit de but en blanc, Miyazaki, c'est notre grand-père et notre arrière-grand-père à nous tous. Il assume totalement que son jeu est directement, c'est complètement inspiré de Dark Souls, et puis quitte à s'en inspirer, autant pas s'en cacher. Bien sûr, mais ça se voit, là le trailer, franchement. Et ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est la deuxième référence dans le genre du action RPG après Dark Souls. Donc les mecs, quand même, ils sont. Ils ont des ambitions. Qu'est-ce que Lords of the Fallen a de nouveau ? C'est principalement le fait qu'il y a deux univers, deux dimensions parallèles qui se superposent dans le jeu, celui des vivants et celui des morts. Donc en fait, quand tu es dans une zone donnée, par exemple, si tu avec ta lanterne, tu pourras passer dans la dimension parallèle et ça frangera le level design. Donc il y aura un trou là, un mur là, qui sont là, un escalier qui est plein. Bref, on ne vous fait pas le topo, ça paraît assez évident comme ça. Mais les mecs c'était un peu embêté parce qu'ils ont commencé le développement il y a 3 ans, un peu plus. Sauf que quand ils ont commencé, il y a Elden Ring qui a été révélé. Ils ont fait « on s'est fait avoir, merde ». On veut faire pareil. Mais c'est pour ça 4.5. Mais non, à vrai dire, ils n'ont pas voulu faire pareil. Ils ont essayé de… clairement, ils s'inspirent plus de Bloodborne, à mon avis, dans l'esthétique d'Elden Ring, même si ils avaient dit que dans une première build, il y avait une boss qui s'inspirait de…
de Elden Ring. Mais voilà, ils ont essayé de trouver un peu leur petite niche. J'espère qu'ils vont réussir à le faire. En tout cas, le jeu ouais, ça me donne envie, mais en tout cas, d'essayer. Et bah, t'es pas le seul. Force à eux, et ça sort. Est-ce qu'il y a 13 octobre. 13 octobre. Santa a disparu. Mais ça sort bientôt. Ouais, je vais juste raconter une petite anecdote. L'autre jour, j'étais à la Fnac de Châtelet-Léal. Je sais, tout le monde s'en fout, mais. Ça va être chiant comme histoire. Non. Et il y avait une grande télé, et il y avait une grande télé. Et je l'ai acheté 1500 balles, et j'ai plus d'argent. Non, c'est une blague. Et il y avait des mecs plantés, et plus le trailer défilait, plus il y avait une foule, et à la fin, c'était noir de monde devant la bande-annonce du jeu. Donc. Non, mais 1000 personnes en train de hurler. Déchirer le t-shirt, on se prend au Grand Rex devant Demon Slayer, c'était une folie furieuse. Non, mais tout ça pour dire que c'est très efficace. C'est accrochant. Ah ouais, voilà, c'est sûr. Il a son potentiel. Prévu le 13 octobre sur PC et console. Évidemment, à Charenton-le-Pont, à la Fnac, il n'y a pas un gars comme ça devant un bourré de corps bisous le jour. Déjà, il y a des mecs à Charenton-le-Pont. Il n'y a pas les gars qui faisaient. On enchaîne et console nouvelle génération, je disais. Allez, pas de date pour le moment, si ce n'est que le jeu doit sortir cette année. Je parle de Lies of P des Coréens de Round 8 Studio. T'as essayé la démo, J'ai 2 minutes parce que là, il est en train de nous siffler. Il a fait t'as mort. J'ai un train à prendre, allez, j'ai fait la démo, pardon. Je pensais faire une preview à l'origine, puis ils nous ont dit que la démo serait disponible pour tout le monde. Donc je me suis dit, bon, c'était pendant le Summer Game Fest, et si je pouvais m'épargner 3-4 heures d'écriture sur une preview, pourquoi pas finalement. Surtout que vous pouviez vous faire votre propre avis, et on vous encourage à le faire, bien entendu. Et Lies of P, c'est ce fameux jeu qui a fait déjà sensation par son esthétique, qui ressemble extrêmement fort à Dark Souls et Bloodborne. Ah, mais c'est Wonka! c'est pas Timothée Chalamet dans Wonka, mais on pourrait y croire. C'est certainement mieux que Wonka. Et la question, c'est est-ce que c'est aussi bien que Dark Souls et Bloodborne? Et notre avis général à la rédaction, c'est que bah, quand tu copies autant, en même temps, c'est dur de vautrer. En même temps, quand tu copies autant, est-ce que c'est bien pour autant? On va pas se mentir, on a quand même vraiment l'impression qu'ils ont volé des gens à From Software, qui leur ont demandé de recopier ce qu'ils ont déjà fait par le passé. Ah, c'est du footage. Eux aussi, ils ont dit que Miyazaki, c'était leur papa ou Oh bah c'est leur papa, c'est leur oncle, c'est leur fils, c'est tout l'arbre généalogique qui y passe. Donc voilà, pour l'instant j'y ai joué, j'étais là, c'est bien. Elles sont très jeux vidéo les animations. Hein. C'est très jeux vidéo. Je veux dire, le gars, c'est bien qu'on ait ces images-là parce qu'on voit vraiment que les animations elles sont très, très rigides, très one-sided quand même. Le problème de la rigidité du jeu, c'est plus la petitesse des esquives. Il y a une petite rigidité sur les esquives et sur la parade qui n'est pas extrêmement intéressante, qui est le principal problème du jeu. Après, ça se joue bien, mais ça se joue un peu malheureusement sans âme. Quoi. Mm-hmm. J'ai l'impression d'y avoir déjà joué 1000 fois. Après, ça reste. Attends, t'es une marionnette, t'es pas un enfant, hein, t'as pas d'âme. Oui. Non, mais c'est Pinocchio, l'histoire. Oui, c'est ça. Ne soyez tombés pas des nues, vous avez déjà vu au moins le dessin animé. Il a écrit sa propre histoire. Non, mais. Oui. Oui. Bon. Si, Alex, bref, en tout cas, dans ces deux univers, celui-ci est peut-être un forcé ouais. Dans, à la sauce Bloodborne. En fait. Ok, bon, on verra. La hype est là. Voilà, c'était. De quoi? La hype est là, on est comme des ouf. C'était la sélection en tout cas qu'on voulait, voilà, qui a été faite par l'équipe. Je vais essayer de terminer sur cette section. Rien à voir avec ça. Moi, je vous propose d'avant de se quitter qu'on termine par notre petit backlog de l'été. C'est parti, jingle. Un backlog. Summer Edition, puisque j'ai demandé à l'équipe de vous proposer un jeu et une œuvre à emporter pendant les vacances. Et toi, Alex, tu nous proposes de dormir. C'est ça, de reposer en tout cas. Oui, non, de dormir. Hein. Alors après, on va parler de Pokémon Sleep. Il y a moyen de faire des siestes, mais j'ai pu le tester la semaine dernière. Avec le Pokémon Plus ou juste avec ton appli ? Non, juste avec un téléphone. Et c'est censé sortir courant juillet, on n'a pas encore de date, donc ce serait bien, si ça se trouve on en aura une d'ici la diffusion de l'émission, d'ailleurs c'est sûr, ça c'est obligé. Quoi qu'il en soit, c'est une appli un peu inutile, donc totalement indispensable, qui permet de traquer ton sommeil, et en fonction de si tu es en sommeil profond, sommeil léger, etc., le matin, le ronflex avec qui tu dors va attirer des Pokémon. Et puis, il s'agit de remplir le Dododex. Donc, c'est exactement la même chose que le Pokédex, sauf qu'en plus des Pokémon, il faut que tu les trouves dans différentes pauses en train de dormir. Et c'est rigolo, c'est pas de prise de tête. J'ai bien aimé ma session dessus. Et puis, je sais au fait déjà que dès que ça va être disponible, je vais la retélécharger pour m'amuser à monitorer un peu mon sommeil.
Peut-être que ça me donnera la rigueur dont j'ai désespérément besoin pour faire des vraies nuits de sommeil et arrêter d'être complètement fucké. Pendant la preview par rapport aux autres journalistes, m'avait dit Oui, pendant la preview, en fait, alors moi, je suis vraiment malchanceux. C'est-à-dire que déjà, j'ai été le seul à avoir fait que du sommeil très léger. En fait, j'ai jamais monitoré mon sommeil de ma vie. Du coup, j'ai découvert grâce à cette occasion que, alors que les gens ont au minimum 3-4 heures de sommeil profond par nuit, moi, je n'en fais à peine que moins de 2 heures. Et le type de sommeil que tu fais conditionne l'apparition des Pokémon. Donc, je crois que c'est eau et acier si tu as un sommeil moyen, feu et électrique si tu as un sommeil profond. Et moi, c'était plantes et insectes. Et du coup, le lendemain, forcément, on se retrouve avec tous les autres journalistes et on se dit un peu les Pokémon qu'on a récupérés. Tu peux avoir 5 Pokémon qui viennent autour de ton Ronflex la nuit. Et moi, j'ai eu 2 doubles. C'est-à-dire que tout le monde avait 5 Pokémon différents. Moi, j'ai eu 2 Chenipans, 2 Psychoquacks et un Bulbizarre. Du coup, j'étais ravi. Très, très, très content de cette randomisation, tout à fait à mon avantage. Et donc, en tout cas, on n'est pas obligé. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir le Poké Truc Plus qui sort? Ouais, alors, vraiment, il le nom. Non, mais trop bien. Ouais, mais franchement, le nom est accouché. C'est la montre, là. Non, alors, c'est la montre, c'est le Pokémon Go Plus. Et là, ils en sortent un nouveau. C'est juste un petit badge qui s'appelle le Pokémon Go Plus Plus. Non. Mais du coup, il y a plus écrit. Ah, mais d'accord, je comprends. Il y a plus écrit PLUS et il y a plus juste le sigle plus. C'est lunaire. Comment, en fait, tu peux te dire en marketing, on va appeler ça le Pokémon Plus Plus. Bref, quoi qu'il en soit, ça sort. Ça, il y a déjà une date de sortie, 21 juillet. Par contre, on n'a pas encore le prix, mais bon, c'est Pokémon, donc. Attends, mais si le truc qui sort le 21 juillet, l'application elle sortira soit. Ouais, ça va être ça. Va être ça. Soit le jour même, soit la dernière semaine, enfin les derniers jours de juillet, quoi. Bah, juste avant, presque limite. Mais donc ça apporte quelque chose ou pas ce truc Oui, ça apporte quelque chose. Alors déjà, c'est utile dans Pokémon Go pour ceux qui jouent à Pokémon Go. Ça permet de capturer tous les Pokémon automatiquement dans la zone et de spinner les Pokéstops. Mais la nuit, c'est honnêtement, je pense que ça va être très pratique parce que autant j'ai hâte de m'y remettre quand ça sera disponible, autant il y a un truc qui est un peu galère avec Pokémon Sleep, c'est qu'il faut que tu laisses l'appli allumée toute la nuit et que tu poses ton téléphone sur ton matelas à côté de toi. Donc ça implique que ton téléphone soit branché toute la nuit parce que sinon le lendemain matin, même si la batterie chauffe pas trop et que l'écran s'éteint au bout d'un moment. Ah oui, sur la table de nuit, ça marche pas? Non, faut vraiment que tu le mettes sur le matelas. On a un coco, t'as pas encore pu tester sur ton téléphone à toi, perso? Ouais. Bon, c'était pas vraiment si ça pour la batterie ou pas. Genre. Oui, alors après, vu que c'était des téléphones hyper vieillissants et que le lendemain, la batterie était pas du tout chauffée, franchement, si le vieux téléphone qu'on m'a filé, qui a déjà 3-4 ans de retard, arrive à le faire, à faire tourner le jeu sans faire chauffer la batterie, les téléphones modernes, je pense que ça sera pas trop un problème. Mais ça reste quand même galère de se dire que tu dois poser ton téléphone à côté de toi, surtout qu'il faut éviter de le mettre sous ton oreiller. L'avantage avec le Pokémon Go Plus, c'est que c'est grand comme ça et tu le poses sur ton matelas, ça prend un peu moins de place que ton téléphone, surtout si t'es le genre de personne qui a un fold ou un truc qui tient plus de la tablette que du téléphone portable. Ça restera quand même cool. Après, est-ce que c'est un investissement qui vaut le coup? Je ne sais pas. Ok. Le jeu est gratos. Oui, le jeu sera gratos. En vrai, c'est même pas un jeu, c'est une appli. Oui, c'est pas vraiment un jeu. C'est une appli de tracking de sommeil avec un enrobage Pokémon interactif. L'appli est gratos, mais il y a quand même un petit magasin, un petit cash shop avec des choses à acheter qui servent à rien. C'est un jeu mobile. Ouais, bon. Ok, tu as un manga à nous proposer. Ouais, regardez, il est là. Merci, Diogo. Non, Diogo m'a apporté de me l'oublier parce que moi, je ne l'ai pas en physique. Sandland, que j'ai eu envie de relire après avoir fait la preview sur le jeu. Regarde, en photo, c'est presque mieux. Et aussi pour m'en rappeler avant la sortie du jeu final parce que j'avais un peu oublié de quoi il s'agissait. Ah oui, pour le coup, on reconnaît tout de suite. Moi, je ne connaissais pas le manga, mais effectivement, je revois le trailer pour le coup qui a été. Le pitch est très simple. On est dans un monde post-apo où l'eau est devenue la denrée la plus rare du monde parce que c'est un univers désertique. Et les démons et les humains vivent en cohabitation toute relative dans cet univers. Et un shérif va venir voir les démons pour leur demander de l'aide pour trouver une source cachée qui permettrait
de libérer tout le monde de cette sécheresse continuelle et d'empêcher le roi un peu tyrannique qui contrôle la seule source d'eau et qui vend une bouteille d'eau à des prix complètement hors de prix, aberrant. Et ils partent du coup en mission, le prince des démons Belzébub et ce shérif, pour trouver l'eau et libérer l'univers. Ça se lit très vite, c'est 18 chapitres, c'est vraiment un volume. C'est une histoire un peu prétexte pour Akira Toriyama à dessiner les seuls trucs qu'il aime vraiment dessiner, c'est des véhicules. Il y en a partout, il y en a tout le temps. Les tanks, c'est son grand dada. Donc c'est une petite lecture agréable pour lui. On est d'accord que c'est exactement le même scénario de Mad Max Fury Road, en fait, à quelques étapes près. Oui. Bah, sauf qu'il y a des démons, quoi. Donc c'est un peu plus... C'est un peu plus fantastique, dirons-nous. Moi, c'est pas le mangaka avec qui a eu le plus de ses œuvres adaptées en jeu vidéo, parce qu'il y a Dragon Ball, Dr. Slump, Gogo Hackman, ouais. Et là, il y a Sandland. Et puis, il participe évidemment à... quatre œuvres différentes adaptées en manga. Il a participé à Chrono Trigger. Non, mais genre dire que c'est manga, ouais, ouais, qu'il a dessiné et tout. Bah, il a été prolifique aussi, voilà. Ouais, bah, le mec, il se la bute, quoi. Ça fait des bons jeux. Bah, et puis, ça reste... Enfin, de la même manière que pour Armored Core, ils peuvent mettre l'étiquette par les créateurs d'Elden Ring... Sur Sandland, ouais. Il peut mettre par le créateur de Dragon Ball Z et Catching. Ok, on enchaîne avec Diogo, qui est un des vieux shooters arcade qui reviennent sur Switch, c'est Switch ça? Switch et PlayStation. Et donc oui, des jeux sortis dans les années 90. Exactement, mémoire. La Rise Arcade Chronology. C'est une compilation qui réunit Rayforce, Raystorm et Raycrisis 94, 96 et 98 respectivement, réalisé par Taito. Et là on voit, alors attention, c'est le mec capture, donc attention, c'est du niveau, t'as peur. C'est du super play de fou furieux. C'est pendant celle-ci que tu hurlais dans l'open space. Exactement. je poussais des cris à chaque fois que je meurs, parce que je pousse des cris quand je vais dans les chumps. Des shmup'em up réalisés par Taito qui ont la particularité de ne pas avoir de bombes comme dans un shooter plus classique de l'époque, mais d'avoir un laser, comme on peut le voir juste. Enfin, d'avoir un petit. Comment on appelle ça? En anglais, j'ai le nom, mais genre. Viseur. Un petit viseur, voilà, qui permet de verrouiller les ennemis qui sont sur le plan d'en bas. Forte inspiration de Xisboost, évidemment. Et quand tu locks un ennemi, tu peux ensuite lâcher un laser qui va les éliminer directement. En fait, plus tu logs d'ennemis à la fois, plus ton score est meilleur, parce que voilà, plus tu élimines des ennemis en même temps, plus ça améliore le scoring. Et que dire, si ce n'est que c'est super beau. Mais regardez, vous avez vu les effets de parallaxe, de taré qu'il y a à l'écran? Regardez-moi, c'est un truc de fou furieux. J'essaie de parler assez longtemps pour meuler, pour qu'on voit la deuxième séquence, parce qu'après, c'est un truc de... C'est super beau, super bien fait. C'est très très fun, c'est un portage réalisé par M2, qui sont spécialisés dans les portages de jeux rétro. C'est pour ça qu'il y a les gadgets sur les côtés de l'écran pour avoir des informations supplémentaires sur le jeu. Et c'est très très bien. J'espère qu'on pourra avoir des images de Raystorm si tu arrives à les lancer, parce que j'ai aussi capturé des images de Raystorm. C'est le deuxième jeu de la compilation, j'ai pas les troisièmes. Sinon, on les mettra en post-prod. Mais c'est excellent. Il y a aussi... non, ça c'est encore Rayforce, mais c'est pas grave parce que c'est super beau. À savoir que Raystorm et Raycrisis, c'est-à-dire les deux jeux 3D de la compilation, sont aussi disponibles dans leur version HD. Et qu'il y a aussi une version qui s'appelle Raystorm X Raycrisis HD Collection. Pourquoi? Parce que Rayforce était déjà sorti avec Layer Section X Galactic Attack S-Tribute, qui est une autre compilation. Donc. Alors ça, c'est super beau. Ça, j'étais sur le cul quand je l'ai vu. C'est vraiment incroyable. Bref, prenez la Rise Arcade Chronology pour ceux qui aiment les shoot'em up. C'est disponible, c'est sorti en... C'est déjà sorti au Japon il y a un moment, mais c'est sorti chez nous il n'y a pas si longtemps que ça. C'est disponible sur PlayStation et Switch, et c'est excellent. Très bien. Merci Diogo. Tu voulais également nous présenter un beau livre. Ouais, Video Game Atlas Mapping Interactive Worlds, qui a été écrit par, je ne sais plus, par un dieu d'auteur. J'espère qu'on verra ça après pour que je puisse me rappeler des auteurs. C'est un gros, gros bouquin que du coup je n'ai pas amené parce que j'ai la flemme de proposer un bouquin qui fait 110 cm de hauteur et de machin. C'est un gros, gros bouquin, mais à raison. Voilà, Luc Caspar-Pearson et Sandra. Son famille, je le verrai après. C'est un gros bouquin qui propose en fait de revenir sur le. De détailler les cartes et le level design de gros jeux comme Persona 4, un serveur spécifique de Minecraft bien connu, Dwarf Fortress et sa génération procédurale, Final Fantasy 7 et son remake. Donc, on ne s'est pas posé les deux environnements. Là, on voit. Est-ce que tu reconnais, Alex? C'est la cathédrale d'Ador Lando. Ah ouais? Mais oui! Je crois. C'est trop beau dans les. On voit, bah, parce que Dark Souls a. On sait tous que l'univers de Dark Souls est très tarabiscoté dans son avancement. Donc on voit en fait des plans qui sont super beaux.
voilà, en petits filigrane comme ça, c'est super c'est beau. C'est pas des plans officiels en fait. Non, du tout. C'est les mecs qui ont refait les éléments de plusieurs jeux avec des maps, des cartes super détaillées, avec des angles différents à chaque fois et des explications sur pourquoi est-ce que c'est intéressant, comment est-ce que ça a lancé, pourquoi ça vaut la peine d'en parler. Et c'est un super beau bouquin qui est disponible uniquement en anglais. Mais qui peut s'acheter sur tous les gros sites Si le bouquin est immense, est-ce que c'est vraiment un truc que tu peux emmener en vacances? Alors non, mais fallait valise. Mais voilà, ça vous fallait conseiller des bouquins, je dis vas-y, attends, c'est ça, voilà, bon, tu prends des fringues propres ou le Video Game Atlas, j'ai envie de te dire, parce que c'est le plus important dans la vie. Avec ça, tu passes pour le roi de la plage, mais vraiment. Yes, ça peut faire de l'ombre, c'est ça qui est bien aussi. Allez, merci Jules, un jeu de combat qui rappelle les bons vieux Street Fighter 2D. C'est effectivement ce qui est marqué dans le test sur le site, c'est exact. Et là aussi, j'ai un petit peu menti puisqu'il n'est pas du tout dispo sur console portable, donc il faut avoir un Steam Deck ou une ROG Ally. J'ai menti, c'est ma spécialité. Grand Blue Fantasy versus adapté d'un gacha bien connu des joueurs japonais, Grand Blue Fantasy. Et qui est donc un petit jeu de combat 2D que j'ai sélectionné déjà parce qu'il était il n'y a pas longtemps à 2€ sur Steam, donc j'ai pu l'acheter. Et ensuite, parce qu'il est relativement accessible quand même pour les nouveaux, un peu dans la veine de Street Fighter 6, c'est-à-dire qu'il y a également un mode moderne où avec un seul bouton et des petites commandes associées, on peut lancer les coups spéciaux plutôt que de s'embêter à faire les quarts de cercle et tout ce qu'on veut. L'autre point qui est intéressant pour ceux qui veulent se lancer dans le jeu de combat, c'est que, bon, alors déjà c'est extrêmement beau, on va le voir très vite en gameplay, et ensuite il y a un mode histoire à la sauce RPG où on va avoir des petites quêtes à faire, des ennemis de base à affronter, ce qui peut faire rentrer dans la danse les férus de mode solo. Après, si vous avez envie de patienter, il y a la réédition Grand Blue Fantasy versus Rising qui devrait arriver incessamment sous peu. Je ne sais plus s'ils ont donné la date de sortie, qui arrivera avec tous les DLC. La bêta, c'est bientôt, mais il n'y a pas de date. La bêta, c'est bientôt, c'est à la fin du mois, il me semble. Mais voilà, qui arrivera avec tous les DLC, avec de nouveaux personnages et, il me semble, un nouveau mode histoire. Et également un rééquilibrage, bien sûr, quelques nouvelles mécaniques et même une copie de Fall Guys intégrée dans le hub en ligne. Pourquoi ? Je sais pas, mais voilà, si vous voulez attendre un peu, il y a ça. En attendant, vous pouvez vous jeter sur celui-là qui est une bonne porte d'entrée dans le Versus Fighting et vous pouvez le voir, c'est du Arc System Works, donc c'est extrêmement beau, tout simplement, c'est des animations au poil. Très bien, merci Jules. Et tu souhaitais donc quelque chose qui va peser pas lourd dans nos valises pour les vacances, c'est carrément un YouTuber qui fait plutôt dans le dark, c'est ça que tu voulais mettre en avant? Si on peut dire ça. Alors à la base, je voulais présenter la revue Immersion, mais ils m'ont pas envoyé mon exemplaire encore, du coup, je ne les présenterai pas, mais vous pouvez aller les chercher en ligne, ils ont un site internet avec quelques articles en accès libre. Non, du coup, aujourd'hui, je vais parler de Feld Up. Bien connu de la nouvelle génération, rigole pas, que moi j'aime beaucoup, c'est mon vidéaste préféré actuellement et qui anime une émission qu'on appelle Findings où il s'intéresse un petit peu aux trucs glauques et obscurs qu'on peut trouver sur le net et aussi, ce qui est sans doute le plus important dans sa chaîne, aux innovations, aux poussées créatrices que ça peut inspirer. Et là typiquement, c'est spécifiquement l'analyse d'un jeu Petscope, et c'est pas vraiment un jeu, c'est un faux jeu. C'est-à-dire que c'est une espèce de série sur YouTube. Quelqu'un avait fait un faux let's play. Ce jeu est complètement monté de toutes pièces. C'est de l'animation, c'est pas du tout jouable. Et c'est un faux let's play avec, voilà, la personne joue au jeu. Il y a une intrigue qui se déroule. C'est assez ésotérique. Je vais pas en parler pour pas spoil parce que très très vite, on tombe dans des choses qu'on n'attendait pas. Et donc, voilà, je vous propose, c'est en tout 3 heures d'analyse autour du jeu. Donc quand même, c'est long, hein, c'est long. Ça se regarde, mais je trouve que c'est très très bien fait. Il a un rythme et un ton de voix qui est extrêmement agréable. Même si parfois je trouve qu'il se répète un petit peu, il en fait parfois un petit peu des caisses sur le potentiel traumatisant soi-disant de certaines vidéos, je trouve qu'il en fait un peu, il exagère parfois un petit peu, mais je trouve qu'il explique très très bien. Je trouve qu'en plus ce projet de Petscope est extrêmement intéressant, encore une fois je ne veux pas trop en dire. Et il a également sorti il n'y a pas longtemps des vidéos sur ce qu'on appelle les Lost Media, donc les films ou les vidéos qu'on estime perdues à jamais. Et donc notamment sur l'origine d'Herobrine, ce fameux mythe de Minecraft, soi-disant cette créature qui entrait les parties de Minecraft, et bien il s'avère que les contenus à l'origine de cette légende ont été perdus, par exemple. Voilà. Donc tout le monde connaît, c'est dans l'inconscient collectif, mais on a vu les vidéos d'origine. Tous les joueurs de Minecraft qui respectent. Tous les joueurs de Minecraft connaissent Herobrine, c'est vraiment quelque chose de répandu. Et il s'apprête à sortir, le timing est bon, une vidéo sur myhouse.wad que j'avais présentée il n'y a pas longtemps dans mon backlog. Et il va en faire une analyse comme il a pu faire sur Petscope. Voilà. Très bien. Donc très bon vidéaste. Donc ça, ce que regardent les jeunes aujourd'hui? C'est donc ça ce qui pas que les jeunes. Mais c'est ça qui intoxique les jeunes et qui après ils vont foutre la merde. Non, c'est le jeu vidéo à Macron. Ça peut peut-être intéresser certains de nos abonnés.
Ah bah j'espère que ça va les intéresser. Tu as eu très bon travail. Bon, j'ai moi aussi un jeu et une œuvre à vous proposer pour les vacances. Pourquoi pas Gibbon Beyond of the Trees. Est-ce que quelqu'un y a joué parmi vous? J'ai pas joué, mais je vois tout à fait ce que c'est. Bah écoute, en tout cas c'est un runner aérien. C'est proposé par les créateurs de Old Man's Journey. Je suis sûr que tu avais joué Alex. Ouais, Old Man's Journey. Je l'ai fait. C'est du Alex Core encore. Voilà, ça se joue. Ça se joue avec trois touches, hein. C'est voilà, juste les gâchettes et une touche supplémentaire. Il y en a une pour glisser, une pour attraper des branches et une autre pour faire des saltos. C'est vraiment très reposant. C'est lors d'une visite dans un zoo qu'un des créateurs a été fasciné par l'aisance et la beauté de voir des gibbons sauter de branche en branche. Et il a eu l'idée de produire ce jeu qui délivre aussi un message, hein, sur la déforestation, le braconnage et les différentes menaces de cette espèce en voie de disparition. Alors, ils n'ont pas pu, pour des raisons de budget, aller se déplacer sur place, mais ils ont travaillé avec beaucoup d'experts des gibbons, justement pour essayer de raconter cette histoire. Voilà, les environnements sont magnifiques. C'est un métier de fou. Expert en gibbon. Ouais. Franchement, c'est un métier de rêve, t'es expert en gibbon. Voilà, l'ambiance sonore, on vous la met pas, elle est fantastique, les environnements sont magnifiques, les animations sont parfaites. On est pas un gros con. Ouais. On éprouve de très bonnes sensations à voltiger de branches en liane. Le seul problème, c'est que voilà, l'aventure principale dure une heure. On débloque ensuite un mode supplémentaire qui propose de rechercher et libérer une dizaine d'animaux sauvages. Mais bon, c'est finalement très court. J'ai noté que les temps de chargement aussi étaient un peu longs quand on se loupe. C'est un peu frustrant. Sur Switch. All right. Bah oui, propose sur Switch pour les vacances. Ah bah oui, ça. Bah, il y a aussi iOS. Oui, il y a sur iOS et PlayStation, si vous le voulez. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, là, c'est j'ai vu que jusqu'au 23 juillet, le jeu il est soldé à 2,79€. C'est finalement très accessible pour cette émouvante aventure dans la jungle asiatique. Émouvant, quand même. Ouais. Voilà, et puis pour finir, je voulais vous proposer, comme Alex, un manga. Alors, c'est LV41 Yonju Aisei no Yusha. Il s'est tué là. De Yoshimi Danjo. C'est proposé en français par les éditions Omake Book sous le nom de Daron Quest. Daron Quest, Diogo, tu vois un peu. Ah bah ouais, t'as la ref? Non, j'ai la ref. Je sais pas vous, mais moi, j'ai la ref. Je crois, c'est Final Fantasy. Celle-là est bonne. Voilà, c'est l'histoire d'Evan Williams, un héros qui vient d'atteindre le level 41 de sa vie et qui se rend compte qu'il a un peu moins d'énergie, que ses blessures guérissent un peu moins vite, que ses stats qui ont augmenté au fil des années commencent désormais à diminuer. Bon, je vous cite quelques titres des chapitres qui m'ont fait marrer. Voilà, c'est à tous les darons qui commencent à avoir le bout des doigts tout sec, à tous les darons qui ont gardé une dent contre les petits cons de leur enfance, à tous les darons qui pensent boire avec modération mais qui finissent quand même beurrés, et puis en dernier à tous les darons qui commencent à froncer les sourcils pour lire. Il y a du vécu là-dedans. Je crois que c'est la question qu'on va aller tous. Ça m'a parlé. En tout cas, c'est assez bien illustré. Enfin, moi, c'est un truc sympa. Voilà, c'est peut-être le petit manga que je vous conseille. Attends, c'est un seul tome, c'est ça? C'est un one shot. Ah, j'ai un truc à dire, c'est un dernier truc. J'ai sorti il n'y a pas longtemps, il y a une vidéo d'interview de Sakaguchi Kitase et Kusuo Shibuya, celle qui a fait les pixel art pour Final Fantasy. Et c'est une table conversation un peu corrompue sur FF et dévoile en fait plein de trucs sur FF et développement d'FF les premiers. C'est gratuit. Et ça dure une demi-heure et c'est génial. On va vous mettre le synthé comme ça vous pourrez. Je veux juste parce que je trouve ça trop bien, du coup je veux faire j'en parle, tu vois. Ça marche. Bon, ben voilà, hein, c'est la fin de ce dernier hebdo de la saison, mais l'actualité, les tests et les previews continuent durant tout l'été sur le site Game Cult. Vous avez quelque chose à rajouter, messieurs? Non. Bonnes vacances. Bonnes vacances, tout simplement. On part en vacances, non? Non, mais les gens qui ne sont pas enchaînés à leur bureau en train de jouer à des jeux, qui nous regardent. Oh, oui. Moi je vais partir en vacances, hein, t'en fais pas. Ouais, je rappelle que l'équipe a souhaité donc vous offrir cette émission qui est habituellement réservée aux abonnés. Encore une fois, si vous voulez soutenir Game Cult, abonnez-vous. On a besoin de vous. Je vous remercie de m'avoir accompagné, messieurs, durant ces 15 émissions. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous en prenez cet été. Vous allez en prendre un petit peu. Et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver à la rentrée pour une nouvelle saison de l'hebdo Game Cult. Au revoir Fred. Au revoir. À bientôt. Au revoir Alex. Au revoir. Au revoir Diogo. Allez. Sur le départ. Prenez soin de vous et soyez beaux joueurs.